Que voilà là-bas. Coco, 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 bonsoir. Bon, bonjour, 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 bonjour. C'est la reine galloise. Oui, la seule unique au pays des Galles. C'est la reine galloise. Bonjour. Ça ne va pas, hein? Ça ne va pas du tout. Ah oui, ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Ouais, Seigneur. Ouais. Ouais, Dieu. Oh là là. Ouais, pourquoi je ne me vois pas, non? Oh. Il y a quoi ici comme ça? J'essaie de. Je suis même touchée à quoi bon, ça fait ça. Oh Seigneur. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Oh là 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 là, la vie, 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 la vie. La vie. Chérie, je vous salue, c'est dans la paix. Bama, tchadezina. Chérie, je vous salue, c'est dans l'amour. Bama, tchadezina. Bon week-end déjà. Merci, merci. Ouais, Seigneur. Nous sommes tous les enfants de Dieu, Chabrayesso. Ouais, bon, j'ai encore faim, bon. Bah, il est là. Cameroun, Cameroun, unissons-nous, on veut l'union. Unissons-nous, on veut l'union. Unissons-nous. Thank you.
songe. Mon frère ivoirien, mon frère gabonais, même moi. Maman, le poids me tue. Maman, maman, quelques des femmes costaudes sont là, de maman. C'est le mensonge, hein. C'est Dieu qui nous a créé costaud là, même quand on fait les efforts là. Maman, ça vient toujours, maman, ça vient toujours. Coucou mes amours de frères et sœurs. Vous savez, bientôt c'est l'été. Il commence à faire très chaud ici là. Donc bientôt on va commencer à rougir un genre. Maman, l'ambiance ça n'est pas facile. Coucou mes amours, bonsoir. Alain Bertrand, comment tu vas mon petit frère chéri? Bonsoir. Bonsoir chers internautes. Bonsoir mes amours du monde entier, bonsoir mes frères, mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, la diaspora africaine et tout le monde entier, tous ceux qui prennent le plaisir de suivre la reine galloise. Non, non, je parle de ceux qui aiment la reine galloise, hein, pas les Nkomiak, parce qu'il y a aussi beaucoup qui suivent la reine galloise sans toutefois aimer la reine galloise. Mais c'est pas grave, parce que vous ne m'aimez pas là, moi je vous aime, nous sommes des frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Coucou mes amours, bonsoir tout le monde. Déjà, j'aimerais déjà vous dire, pardon mes chéris, partagez le direct pour encourager la maman des enfants différents, s'il vous plaît. Partagez le direct pour encourager la maman des enfants spéciales. Car chacun de nous a son but sur les réseaux sociaux. Chacun de nous a son message à passer sur les réseaux sociaux. Ah oui. Quand tu te lèves, tu lances le direct. Ça veut dire que tu as un message à passer dans le monde entier. Ça veut dire que tu as quelque chose à véhiculer de positif ou même de négatif dans le monde entier. Donc, mes chers frères et sœurs, pour encourager la maman du Mudumba que je suis, la maman du Mudumba, oui, la reine galloise, la mère des enfants différents et démunis du monde entier, la maman des enfants, aidez-moi à partager seulement le direct là. Encouragez-moi, mes chéris. Je vous demande pas de m'aimer, non. Je vous demande seulement de m'encourager. C'est tout. Parce que l'être humain ne peut pas t'aimer. Jamais. Un être humain ne peut pas aimer son frère être humain. C'est très difficile. Le monde est plein d'hypocrites, de jalousie, de calomnie, de tout et de tout. Tu ne peux pas dire que telle personne, même ta maman qui t'a accouché, parfois peut te faire des coups bas. Donc on n'est pas safe dans ce monde. Nous vivons seulement le maintien. Nous vivons seulement le comme ça avec tout le monde. Parce que personne, c'est quand tu entres au cœur de quelqu'un, tu vois au moins que non, cette personne-ci est vraie avec moi ou pas. Parce que l'apparence est très trompeuse, au fait. L'apparence trompe beaucoup, mes chers frères et sœurs. Donc le seul être qui nous aime vraiment, ce n'est que le Seigneur. Puisque c'est lui qui nous a donné de la vie. Et c'est lui qui nous a donné le souffle de vie et tout et tout. Même nos enfants que nous accouchons demain nous tuent. Ah oui, oui. Même nos enfants que nous mettons au monde, demain nous ces enfants peuvent être des âmes à retardement demain. Ah oui, on peut mettre un enfant au monde aujourd'hui là, pourtant c'est ton assassin que tu as mis au monde. Donc on ne peut pas dire, on vit seulement dans la vie comme ça. Donc mes chéris, je vous demande pas que aimer la reine galloise. Ce que je vous demande, c'est que encourager la reine galloise positivement aussi, s'il vous plaît. C'est très important de véhiculer le message. Surtout une comme moi, qui a un message très très clair. Vous savez pourquoi je dis que j'ai un message? Parce qu'aujourd'hui, grâce à mes directs édifiants, vous-même qui me regardez, vous voyez des témoignages quand je poste une vidéo de mes enfants et moi. Vous voyez des témoignages de mamans, des personnes dans le monde entier qui sont victimes, mais qui sont renfermées, qui n'ont personne pour parler. Une fois que je mets une vidéo de moi, les mamans se défoulent. Les gens parlent de leurs problèmes. Là, ça montre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont à dire, mais qui n'ont pas le courage d'affronter la réalité comme la reine galloise. Oui, qui n'ont pas le courage de se faire, de parler. D'autres même qui ont parlé avant, mais qui ne sont pas fait entendus. Hein?
qui ne sont pas fait entendre. Oh, chez nous. Anyway, j'ai dit. Donc, mes chers frères et sœurs, mes amours, partagez le direct de la Reine Galloise pour l'encourager, s'il vous plaît. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous dire, vous annoncer cette bonne nouvelle, que notre centre social a déjà été trouvé. Ça n'a pas été facile dans la ville de Douala de trouver un centre social. Parce que le loyer est tellement cher, vous le savez. Et les emplacements vraiment convenables à ces enfants étaient vraiment très difficiles. Mais avec mon équipe et moi, nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus et rebattus. On a pris un petit truc pour le moment. Parce qu'on ne commence pas, on dit que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. On ne commence pas brusquement comme ça. On va mollo mollo pour atteindre un jour l'objectif. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous avons trouvé un bon petit cadre qui sera très accueillant, très vivable pour nos enfants handicapés et démunis du Cameroun et même de l'Afrique. Qui sait? On peut commencer par le Cameroun, demain on va dans un autre pays et tout, parce que si bien dit, notre concept c'est les enfants démunis de l'Afrique. Ça ne s'arrête pas seulement dans un seul pays. Et comme vous le voyez, vous le saviez, beaucoup de personnes ont cotisé de tous les pays du monde entier. Donc c'est un type global. Mes chers frères et sœurs, le centre social a déjà été loué et versé de l'argent. Ça n'a pas été facile. Au départ, on voyait les locations de 250 000 francs CFA. Mais ce n'était pas bien de ma part de louer une place de 250 000 francs, 170 000 francs CFA. Pourtant, c'est quelque chose qu'on va apporter de l'aide aux enfants démunis, aux enfants différents et démunis. Donc, j'ai jugé et mon équipe, avec les conseils, des conseillers qui sont aux alentours de moi, nous avons parlé et nous avons conclu qu'il fallait qu'on prenne d'abord un petit truc au départ. Je veux aussi dire, il y a beaucoup qui ont dit la Reine Galloise. Avec cet argent, tu peux acheter un terrain, tu construis d'abord un petit truc. Sachez quelque chose, mes chers frères et sœurs. On ne peut pas prendre un argent qui est destiné à secourir, qui est destiné à apporter un petit changement dans la vie des enfants handicapés démunis, qui meurent chaque fois, qui souffrent chaque fois de famine, qui n'ont personne peut-être à qui peuvent qui n'ont personne pour parler, qui n'ont personne pour mettre la tête, personne. On ne peut pas prendre, on ne peut pas commencer une initiative comme ça, un combat comme ça, et on commence à acheter le terrain pour commencer à construire un petit truc. Non. La construction, le terrain viendra avec le temps. Je crois que quand la diaspora verra le message que j'ai envie de véhiculer, que j'essaie de véhiculer depuis des années, via le service que nous allons apporter au sein du centre social, je crois que cette même diaspora et ces personnes de bon cœur dans le monde entier, peut-être pourront décider que, madame, il va falloir maintenant construire. Ah oui, oui, faisons des choses bien. Ne faisons pas des choses comme si on faisait la course avec quelqu'un. Jamais. Faisons des choses pour l'avenir. Ah oui. Ma sistou, cherche une femme pour... Sandy Divine, ma chère sœur, toi qui viens d'envoyer un message, c'est vrai, je ne suis pas obligée de lire le message, mais je vais quand même lire. Toi qui dis que Flo cherche une femme pour longue, longue. Ma soeur chérie, et tu as vu, j'ai regardé un peu le direct hier, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui parlaient de la Reine Galloise. Sachez un truc, moi j'ai pas besoin de voyous dans ma vie. Hein. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous entendez ce que je dis? Je vais un peu répondre à cette personne, déjà cette personne qui vient d'écrire maintenant, la Sandy Divine qui a dit que Flo cherche une femme pour longue, longue. Et je vais aussi répondre avec des gens que j'ai vu commenter, qui me dénigraient hier dans le direct de ma faute. Je vais vous dire quelque chose, mes chers frères et sœurs. Longa Longa, c'est un grand frère pour moi. Je l'aime beaucoup en tant que frère. Peut-être je ne suis pas son genre de femme. Mais lui aussi n'est pas ma catégorie de mari. Jamais de la vie. Vous savez pourquoi il n'est pas ma catégorie de mari? Parce qu'en tant que maman avec des enfants handicapés, je n'ai pas besoin d'un voyou dans ma vie. Je ne veux pas quelqu'un qui va vagabonder de boîte de nuit en boîte de nuit, de soirée en soirée, de spectacle en spectacle. Je n'ai pas besoin d'une star. Celui qui serait toujours en train de s'envoler entre les avions pour aller faire plaisir au monde entier. La Reine Galloise veut un homme responsable.
Celui-là bien qui va rester, l'aider à s'occuper des enfants que Dieu lui a donnés. Celui-là qui va tenir sa main pour un projet noble comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans la vie. Celui-là qui va connaître, lui donner les idées pour pouvoir changer le regard, pour pouvoir changer l'habitude de nos frères africains envers des handicapés et démunis. Sachez un truc, je fais bien dans les œuvres humanitaires, mais je ne suis pas comme les autres personnes qui font dans les œuvres humanitaires. Car d'autres font dans les œuvres humanitaires sans avoir des handicapés, peut-être aux alentours d'eux. Je fais dans les œuvres humanitaires en tant que la maman des enfants autistes. Ça veut dire que j'ai un message à véhiculer et j'ai besoin d'un protecteur. J'ai besoin d'un protecteur à côté de moi, pas d'un vagabond. Donc mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas nés de la même pluie. Chacun a sa vie sur terre. Chacun a sa chance sur terre. Et chacun a son expérience, chacun a son parcours, chacun a son message à transmettre dans le monde entier. Ne me confondez plus s'il vous plaît. Trop de familiarité engendre le mépris, c'est vrai. Ah oui, vous ne m'avez pas connu avant. Je n'ai pas besoin que vous entrez dans ma vie aujourd'hui pour me connaître. Mais je suis une personne loyale qui aime bien son frère et sa soeur et qui respecte bien. Ne me mélangez plus avec n'importe qui, s'il vous plaît. Mon Dieu, tu... Hein? Donc c'est un peu ça. Non, je ne suis pas en train d'insulter l'artiste. Je dis bien ceci. S'il vous plaît, avant d'aller interpréter les choses, je dis bien ceci. Je suis maman qui a besoin d'un protecteur, d'un homme cool, responsable aux alentours d'elle, pour l'aider à s'occuper de ses enfants autistes. Je ne suis pas une maman qui veut un vagabond. Ça veut dire quoi? Une star, c'est un vagabond. Parce que les stars n'ont pas une vie fixe. Les stars sont en train de monter à gauche, à droite. Non, ne partez pas manipuler mes dires. Oh, anyway, faites comme d'habitude. Non, je ne suis pas en train d'insulter l'artiste, s'il vous plaît. Si vous voulez, allez transmettre ça à votre façon, mais je parlais de ce qui vient de mon cœur. Je dis bien, les stars sont des personnes instables. Les stars sont à gauche et à droite. Les stars sont des personnes qui sont toujours en train de monter et descendre. Qui n'ont pas de famille fixe, c'est très difficile. Parce qu'ils ont des choses à faire dans la vie. Des concerts, des spectacles, des comme ça. C'est des vagabonds. Ce n'est pas une insulte. Vagabonder, c'est une insulte. Alors, peut-être ma façon de dire, je ne sais pas. Hein. C'est... Mais n'importe quoi. Dolina Elon, vous savez qui marche de direct en direct pour chercher les mots qui vont sortir de la bouche des gens pour aller commencer. Parce que en ce moment, il y a de la paix dans sur Facebook. Donc c'est normal que j'avance une parole et qu'on va analyser ça n'importe comment maintenant pour aller dramatiser et faire des posts sur moi. Je suis habitué à vos posts à la con. Vous savez ça. Je suis habitué à ce genre de posts là. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. On a fait des posts plusieurs fois sur moi. Pourtant, je ne me reproche de rien du tout. Après, c'est passé, non, mes chéris. Donc, si vous allez continuer à faire le post là, allez continuer à faire des posts. Mais ce que j'ai dit, c'est que quoi? Hier, on m'insultait que l'oreille longue est montée, que je suis bien pour l'oreille longue. Et j'ai dit aujourd'hui à celle qui a répondu, la personne qui est venue écrire que la reine m'a cherché une femme pour l'oreille longue. C'est toujours venu m'attaquer là. C'est pour leur dire que l'oreille longue, c'est un grand frère. Que je respecte beaucoup. Mais on ne peut pas faire chemin ensemble parce que nos routes ne sont pas faites pour être ensemble. Je suis maman avec des enfants handicapés. Donc, je n'ai pas besoin d'un homme qui veut seulement aller dehors, qui veut monter et descendre dans son business. Je veux un homme stable qui va m'aider avec mes enfants. Alors, mes chéris, vous croyez que quand moi, la reine galloise, des milliers de femmes, attends, je vais te bloquer déjà, toi là qui commande n'importe quoi depuis là, attends, je te bloque chérie, bon, bye, vas-y. Des milliers de femmes, milliers de personnes contactent la reine galloise aujourd'hui, la maman du Medimba, pour demander à la reine galloise comment elle fait avec ses enfants toute seule. Comment elle a pu faire pour que son dernier fils
commencent à faire caca dans le pot, aux toilettes. Pourtant, eux, ils ont des enfants de la même situation comme Bradley. Des enfants autistes. Et que ces enfants, même à 14 ans, sont toujours en train de faire caca sur eux. Comment tu as pu faire cela, reine galloise? Je vais dire, c'est parce que je suis plus concentrée sur mes enfants que sur les hommes. Je suis plus concentrée sur mes enfants. Parce que quand tu as un enfant avec l'autisme, un enfant différent, un enfant qui a besoin de plus d'aide. Ma chérie, enlève d'abord l'affaire de l'homme dans ta tête. Enlève l'affaire des hommes dans ta tête. Si tu es une femme qui n'est pas mariée, ou même si tu es mariée et que ton mari et toi, vous ne vivez pas ensemble, et qu'il arrive que tes enfants sont diagnostiqués, handicapés, sont diagnostiqués qu'ils ont besoin de plus d'aide. Christelle Simon, toi, il ne me laisse pas tranquille. Tu veux que je te dise que quoi? Laisse-le qu'il ne me laisse pas tranquille, maman. Mais ce que je sais, c'est que quoi? Si quelqu'un me cherche et qu'il vient me chercher dans la vie réelle directement là, je vais casser sa bouche. C'est ce qui est sûr, c'est ça. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est zéro. Dans la vie réelle, là, tu viens me chercher en face, je te tape. Maman, la boue, aller et retour. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi quand je marche même en route, je marche avec le visage que je suis prête. Tu me cherches sur la toile, si tu as gagné. Viens me chercher dans la vie réelle. Si tu es une femme ou bien un homme, tu vas voir qui est la reine galloise, vrai. Tu vas connaître vraiment la reine galloise. Que la reine galloise là, qui est sur les réseaux sociaux, bien gentille là, elle, là, dans la réalité, attend n'importe qui. Moi, je ne bavarde pas trop. Je suis très polie. Mais dans la réalité, si tu es une femme ou bien un homme, et que tu veux me challenger, viens, maman, bonjour. Maman, bonjour, maman, la boue. Maman, que tu sois garçon ou femme, hein, maman, on va affronter. Hein, avant que tu vas me taper. Maman, hein, pour Bentimba. Déliance, ne t'attire pas les ennuis pour rien. Céleste Biopur, comment tu vas? Je m'attire pas les ennuis pour rien, dans quel sens, ma chérie? Qu'est-ce que je m'attire les ennuis en faisant quoi? Il n'y a plus de classe sur la toile. Maintenant, c'est la mode, c'est mode père qui est sur la toile, non? Donc, il faut savoir que les gens cherchent là où ils vont vouloir seulement piquer les gens pour faire des postes et avoir. Maintenant, vous voulez quitter sur Coco Emilia encore, maintenant, pour tomber sur la reine galloise. La reine galloise, c'est une habitude depuis des années sur les réseaux sociaux. Ça me fait pas peur, ça. Jamais de la vie. Parce que personne ne vient chez moi au 77 comme une drive pour me déranger. C'est seulement sur la toile. Personne n'entre dans ma maison pour me déranger. Donc, ma chérie Céleste, merci beaucoup, maman, pour les conseils, mais pas sur ça. J'ai répondu à quelqu'un aujourd'hui et je me suis bien fait insulter dans un direct hier et j'ai répondu ce que je devais répondre. Je n'ai jamais insulté l'artiste. C'est un grand frère à moi. On s'est rencontrés au Cameroun. On a mangé ensemble. On a dialogué et on s'est bien séparés. Je n'ai pas insulté l'artiste, pas du tout. Mais j'ai seulement dit que l'artiste n'est pas mon genre d'homme, comme je ne suis pas son genre de femme. Parce que moi, je suis maman avec des enfants handicapés. Oui. Voilà pourquoi même les œuvres humanitaires que je fais, c'est on va voir derrière qu'elle a des enfants autistes. Elle combat pour les enfants autistes, pour les enfants différents. Elle a des enfants différents, tout et tout. Donc, c'est très différent. Ne mélangeons pas les choses, au fait, s'il vous plaît, mes chéris. Comme je disais, mes chers frères et sœurs, quand tu es une femme qui a des enfants, la femme au grand cœur, que le Seigneur te bénisse. Merci Métis Paco, merci chérie. Quand tu es une femme avec des enfants handicapés, même si tu n'as pas des enfants handicapés, ne mets pas ton cœur sur l'homme. Ne mets pas ton cœur sur l'homme parce que l'homme parfois nous amène à négliger nos enfants. Les hommes nous amènent à négliger nos enfants. Attends un peu, ma chérie. Tu m'as demandé plusieurs fois comment j'ai fait. J'ai fait un témoignage sur mon fils l'autre jour. Je suis maman seule avec 3 enfants, 2 qui ont l'handicap. J'assume l'éducation moi seule. L'école fait pour lui. C'est à la maison qu'on éduque l'enfant. Parce que l'école, c'est l'école. L'école, c'est pas l'éducation. L'éducation de l'école est différente de l'éducation de la maison. Mon fils, depuis 5 ans, fait le petit train. Ça veut dire quoi? Je l'amène aux toilettes, j'attends des heures pour que mon fils fasse caca dans le pot. Il n'a jamais fait caca dans le pot. Mais j'ai patienté, j'ai persisté, avec toujours joie, avec toujours patience et amour, parce que il n'y a pas d'homme qui trouble ma tête.
Beaucoup de nos soeurs sont troublées parfois par des hommes. Et pour milliers va la foi. Ou le père de leurs enfants les cracasse la tête. Ou c'est le Ndjumba qui est dehors. Ou c'est comme si, au lieu de se concentrer sur l'enfant handicapé que Dieu lui a donné là, elle ne se concentre pas. Elle met le pampers à l'enfant, c'est manque. Oh, comme il ne chie pas le pot, hein. Laisse-moi mettre seulement le pampers. Je suis fatiguée. Parce que tu ne peux pas supporter 20 minutes aux toilettes. Tu ne peux pas supporter 20 minutes dans les toilettes pour assister l'enfant là. Pour assister que ton enfant. Parce que c'est les enfants différents, vous voyez là. C'est les enfants qui font beaucoup de la patience avec eux. Ça veut dire que c'est comme tu l'habitues là, c'est comme ça qu'il grandit. C'est comme, oui, je n'ai pas dit tous les hommes. Patrick Nana, si ta soeur a la chance de trouver un bon homme, ce n'est pas toutes les personnes qui ont la chance de trouver un bon homme. Moi, la reine, alors, je n'ai pas eu la chance avec l'homme dans ma vie. Hein. Si toi, je ne dis pas tous les hommes, hein, je dis, bon, il y a beaucoup de femmes. Si vous voyez des mamans qui sont dans mon groupe, des mamans que j'encourage aujourd'hui là, s'il y a 100 mamans, ces 90 mamans n'ont pas d'hommes. 90 mamans avec des enfants handicapés n'ont pas d'hommes. Elles sont seules. Qu'est-ce qui ne va pas? Même les hommes qui viennent vers elle, c'est que pour les tromper, les baladiner et puis ils s'en vont. Parce que cet homme-là ne peut pas supporter la charge. Ne peut pas supporter leur enfant. Vous parlez de quoi, mes chéris? On sait bien que ce n'est pas tous les hommes. Est-ce que c'est toutes les femmes qui ont la chance d'avoir les hommes dans la vie? Je dis ceci. Quand tu n'as pas cette chance-là, ne t'embrouille pas trop avec l'homme dehors. Concentre-toi sur ton enfant à la maison. Concentre-toi sur l'enfant que Dieu t'a donné à la maison. Car le jour que toi, la mère, tu prends l'initiative d'être enceinte et d'enfanter. Ça veut dire que tu as accepté devant Dieu que tu seras maintenant responsable, protecteur, protectrice de cet enfant-là. Rose Gaël, c'est ce que je suis voulu expliquer. On a dit que tu insultes l'artiste. Comme si tous ceux qui ont insulté l'artiste depuis des années-là, l'artiste les a tués. Donc, parler comme je parlais là, c'est insulter l'artiste. Allez faire de ça, allez parler où vous voulez parler. Vous décortiquez ce que vous voulez décortiquer. C'est ce que moi, je suis pour moi, je ne parle pas le français comme vous. Donc, ce qui sort de ma bouche, ça sort seulement de ma bouche. Et ce n'est pas une insulte parce que l'artiste, c'est mon grand frère. Ce n'est pas une insulte pour dire aux gens qui disent que la reine galloise, c'est une femme maudite là. La reine galloise, c'est une femme qui ne peut même pas, elle ne mérite pas. C'est la saleté, tout et tout là. Que même la reine galloise ne veut même pas parce que l'artiste et la reine galloise, c'est deux mondes différents. Oui. C'est deux mondes différents, maman. Femme bâtonne, beaucoup de courage. Merci Marthe Christelle, merci chérie. Comme je vous disais mes chéris, comme je vous parlais, donc pour s'occuper, pour assumer un enfant avec l'handicap, toi maman qui est seule avec cet enfant-là, qui n'a pas l'homme dans ta vie, il faut que tu enlèves l'esprit d'être avec un homme trop. Parce que si tu as essayé avec 1, 2, 3 et que ça n'a pas marché, ne mets plus trop l'homme dans ta tête. Parce qu'en mettant l'homme trop dans ta tête, tu vas échouer à l'éducation de ton enfant. C'est pas tous les enfants qui ont la chance d'être éduqués par un homme. Hein? Sachez déjà que l'enfant, c'est l'enfant de la mère. Si tu rates l'éducation de ton enfant à cause parce que tu es en train de suivre l'homme dehors, là, c'est ton problème, maman. C'est ton problème. Donc, c'est pour vous dire que la reine galloise assume l'éducation de ses enfants seule parce que la reine galloise ne court pas derrière les hommes. La reine galloise ne regarde pas trop comme ça. Même quand les hommes me graguent, c'est pas parce que je ne fais pas l'amour. Hein. Je fais bien l'amour. Hein. Très bien. Hein. Mais mes enfants viennent en première position. Hein. Je fais bien l'amour, mais à distance. Ça veut dire que je fais l'amour avec toi, mais tu es dans ton coin, je suis dans mon coin. Je ne mets pas le cœur sur toi et tu ne mets pas le cœur sur moi. J'ai une charge. J'ai une très grande charge. Je n'ai pas besoin que le social service toque ma porte un jour pour dire que l'enfant est arrivé à l'école sale. L'enfant n'était pas bien brossé. L'enfant avait des malaises. L'enfant avait la griffe sur lui. L'enfant avait la marque de la chicotte derrière là. Je commence à réfléchir. Je n'ai pas besoin de ce genre de vie-là. J'ai accepté faire mes 3 enfants. J'assume ces enfants-là. Ça ne veut pas pourtant dire que je n'ai pas d'homme. J'ai bien l'homme dans ma vie. Je m'amuse bien comme une femme peut s'amuser. Mais je ne mets pas le cœur sur un homme. Je ne mets pas le cœur sur l'homme jamais de la vie. Parce que je vois la but. Je vois d'abord, quand un homme vient vers moi, je t'étudie. Quand tu es aux alentours de mes enfants,
Tu ne viens pas vers moi. Moi, je n'accepte pas un homme aujourd'hui qui va m'aimer. Hein. J'accepte, je veux un homme qui va aimer les enfants là. Ça veut dire que quand mes enfants, quand tu es aux alentours, j'ai laissé l'opportunité à beaucoup d'hommes d'être aux alentours de mes enfants. Oui. Et chaque homme qui était aux alentours de mes enfants, je me cache toujours. Je vois leur attitude. Comment ils se comportent. Même quand je suis avec cet homme-là, mes enfants sont là. Si un enfant tombe, ou bien un enfant se fait mal, ou un enfant a besoin de quelque chose, c'est la façon dont l'homme agit qui me pousse à aimer cet homme-là. Si l'homme est aimé assis sur le fauteuil comme ça, il est assis comme ça. Nathalie Owen, bonsoir ma cour, comment tu vas? Il est assis comme ça. Et que je suis en train de faire encore moi seul, que je monte, j'arrête l'enfant, je fais comme ça sans qu'il ne se soucie. Tu es en train de passer le concours pour entrer en sixième. Non, tu es en train d'échouer le baccalauréat. Parce que tout homme qui vient aux alentours de moi, c'est pour moi une étude que je fais à lui. Hein. Je ne dis pas que venez me chercher, parce que moi, je ne vous cherche pas moi. Non, maman, je ne vous cherche pas moi. Même si c'est que ça me prend, je fais qu'à distance et puis je pars moi ma chose. Ce qui est sûr, c'est ça. Je m'envole en l'air à distance. Et après, je prends ma route, j'entre moi chez moi, je reste moi tranquille. Ma reine Kochom. Donc, ça veut dire que quand tu cours pour venir derrière la reine galloise, et que tu veux la reine galloise, sois sûr que ce n'est pas la reine galloise que tu vas vouloir, ce sont les enfants de la reine galloise que tu vas commencer à mettre de l'amour. Donc, c'était une façon de dire au départ que quoi? Mes chers frères et sœurs, vous qui avez demandé, comment tu as fait pour que l'enfant là commence à chier dans le pot là? C'est une patience de 5 ans. 5 years. J'ai patienté pour 5 ans. Et chaque jour, j'ai au moins 4 à 5 heures de temps aux toilettes. Maman, si j'avais l'homme dans ma vie, maman, est-ce que l'homme-là va accepter d'attendre une femme aux toilettes? Une femme qui est dans les toilettes avec son enfant pour 3 heures de temps, la secoue sur moi, je suis fatiguée. J'ai fait une vidéo hier. Je ne sais pas, je te fais une vidéo pour que vous voyez comment c'est ça mon quotidien. Voilà mon quotidien là-bas. Quel homme va venir commencer à s'asseoir? Rares sont les hommes qui aiment maintenant les femmes. Rares sont ceux qui sont là derrière vous, qui vous aiment vrai. Beaucoup viennent seulement par intérêt. Beaucoup viennent seulement parce que peut-être sexuellement, il y a le mot derrière, en bas là. Ils doivent supporter un peu. Quand ça ne va pas, ils fuient. Beaucoup, c'est parce que tu as un jean. Tu as peut-être les matériels de la terre. Peut-être parce que tu as un charisme qui le plaît. Mais il n'est pas là avec tout son cœur. C'est rare de voir les hommes qui sont là aujourd'hui avec tout leur cœur chez les femmes. Surtout, et encore, ces femmes-là qui ont les enfants avec l'handicap. Bless you, winner. Bonjour, ma sœur chérie. J'arrive bientôt, ma. Je t'invite le 26 à Tanya Mot. On va couper mon gâteau d'anniversaire le 26 juin, ma cour. Je ne veux pas faire une grande fête. Je veux juste faire un truc amical, peut-être 10 personnes. Blessy Winner, je vais t'appeler maman. Il faut que tu sois là le jour de ma coupure de gâteau de 40 ans. Parce que mes 40 ans passent comme ça. Il faut au moins couper le gâteau, non maman? Il faut au moins couper le gâteau et boire un peu le jus. Parce que je préfère investir maintenant aujourd'hui sur le centre social que de dépenser l'argent seulement pour m'amuser et tout. C'est un choix. C'est mon choix, c'est ma vie aujourd'hui. On ne me force pas de le faire. Chaque année qui entre sur quelqu'un, la personne développe un autre sens. Donc c'est pour moi de vie que j'ai choisi aujourd'hui là, me mettre au service des enfants handicapés et démunis. Pourquoi? Déjà un, parce que j'ai l'amour pour ces enfants, et de deux, parce que je suis la maman de ces enfants là. Je suis la mère, j'ai deux dans ma maison. Voilà là où ça me donne de la force d'aller jusqu'au bout. Mes chers frères et sœurs, l'homme peut faire tout ce que tu dis. Là, dès qu'il gagne ta confiance, il te montre son vrai visage. Ma soeur, nos enfants sont notre avenir. Tata Pauline, voilà pourquoi je dis, maman. Voilà pourquoi je dis. Donc, si une femme qui n'a pas d'enfants différents, déjà a un problème d'avoir l'homme, a un problème d'être stable, c'est toi, alors, maintenant, qui as les enfants différents, que ça va être très facile pour toi. Ça va être très facile. June, darling, le 26 juin, Nathalie, 26 juin pour la coupure de mon gâteau à Tanya Mot. Au snack Tanya Mot là-bas, si tu es au Cavou Maison Blanche, à Boulamou Sadi. Mais je vais appeler, je veux seulement 10 personnes, maman. Vous savez qu'il y a le confinement, non? 10 personnes. C'est le 26 juin, ma co. Un petit suivant pour la coupure de gâteau, hein, pas pour la fête, grande fête là, non. C'est vraiment ma mère, tu as pleinement raison. Non, Belgo Claire.
Les Swangas sont venus dans mon direct pour me tâter le ventre que tu as insulté l'artiste. Tu as insulté l'artiste. Maman, depuis qu'on a insulté, on insulte l'artiste depuis des années là. Ça a fait, ça, l'artiste est mort. Ça a fait un problème sur l'artiste. J'ai seulement dit ce que, j'ai seulement parlé mon ressenti. Qu'aujourd'hui, la reine galloise n'a pas besoin d'un homme qui va monter à gauche, à droite, penser aux soirées, aller à Yagouma, faire comme ça. La reine galloise a besoin d'un homme qui va l'aider déjà pour les en, avec ses enfants à la maison. C'est mal parlé. Peut-être je dis vagabonder. Peut-être c'est ma façon de parler. Parce que je ne crois pas l'autre mot. Je ne crois pas mettre. Je crois pas ce qu'il va encore dire à Dieu de vagabonder. C'est ma façon de parler au français. La reine galloise a besoin d'un homme qui va l'aider à la maison. Et tant que la reine galloise ne trouve pas un homme qui va être stable avec elle à la maison comme ça pour l'éducation de ses enfants, la reine galloise assume en tant que parent seul. Et je suis l'inspiration des milliers de femmes dans le monde entier. Oui, des milliers de femmes qui ont des enfants handicapés. J'ai dit, j'ai fait une vidéo de mon fils dernièrement. Et il y a eu plus de 200 000 vues sur la vidéo là. Allez dans les commentaires. Vous lisez le témoignage des mamans. Et parmi ces mamans-là, la majorité de ces mamans m'ont appelé, m'ont contacté pour me demander comment j'ai fait. Parce que leurs enfants qui ont la même condition que mon fils, jusqu'à aujourd'hui, font toujours caca dans les pampers. Et je les ai dit, il faut seulement être patiente. Et pour la patience, il faut avoir une motivation. Ça veut dire qu'il faut souvent mettre certaines choses de côté. Il faut se sacrifier pour avoir cette patience-là. Si tu es une qui n'est pas mariée, parce qu'il y a même des femmes qui sont mariées et les hommes ne les supportent pas dans le foyer, avec les enfants handicapés, elles doivent tous souffrir, elles seules comme ça-là. Donc, maman, si tu es une femme, que tu sois mariée ou non mariée, que tu es mariée ou non mariée, sache que ce qui est important, c'est déjà tes enfants. Tant que tu as les enfants-là, oublie l'amour-là d'abord. Vis ton amour, hein. Mais ne mets pas le cœur sur l'amour. Parce que l'amour où tu vas mettre le cœur là, ça va te laisser en chemin. Et tes enfants là vont perdre la route. Bige. Parce que tu étais amoureuse. Maintenant, quand ton âge va augmenter, tu auras dans les 50, 60 ans, tu vas regretter les 10 ans que tu as pris pour te concentrer sur un homme qui n'avait même pas, qui te trompait seulement. À l'heure là que tu te concentrais sur cet homme-là, tu pouvais éduquer, tu pouvais t'asseoir pour te concentrer à l'avenir de ces enfants-là. Comme le petit Bradley. Si pendant 5 ans, j'ai supporté, j'ai patienté, et que enfin, Bradley a commencé à faire caca dans le pot, et jusqu'à là, yeah! La vidéo que j'ai fait aux toilettes avec lui là. J'ai toujours attendu 4 heures de temps. Calculé de 16 heures à 19 heures, on a eu un break. De 19 heures, c'est à 20 heures. De 19 heures, quand je le ramène encore aux toilettes avant l'aller au lit. Quand je le ramène aux toilettes, l'enfant chie à 20 heures. Et il y a combien de parents qui peuvent être patients comme ça là? Je vous pose une question. Et il y a combien de mamans qui peuvent patienter comme ça? L'astuce que vous demandez à la reine galloise. Je sais que vous faites trop de prières. Vous partez voir les pasteurs. Vous partez voir les églises. Vous partez incarner, évoquer le diable. Vous partez n'importe où pour la guérison de votre enfant. La guérison de votre enfant, c'est vous-même à la maison. La guérison de vos enfants, c'est vous-même. Ce n'est pas les pasteurs, les églises, les montées de sang. La guérison de votre enfant, c'est votre foi que vous avez en Dieu. Ce n'est pas en amenant les enfants chez les charlatans que votre enfant va guérir. La guérison de votre enfant, c'est la patience. Parce que l'autisme, l'enfant handicapé n'est pas un enfant qui est malade que... Il est prêt à mourir. L'enfant handicapé, c'est un enfant qui a besoin seulement d'aide pour se développer. Qui a besoin de plus d'aide, plus de patience pour être comme tous les autres enfants. Aujourd'hui, mon fils Bradley, il a 6 ans. J'ai réussi. Je suis riche. Comme je vous dis, ma richesse, ce n'est pas l'argent. Ma richesse, c'est l'évolution de mes garçons. Ma richesse, c'est chaque étape
de la vie, que Dieu développe un autre caractère, une autre mentalité à mes enfants. Ma richesse, c'est voir ces enfants-là devenus comme tous les autres enfants. Là, maintenant, j'ai gagné. Je suis encore plus riche. Car j'ai reçu un challenge. Il y a de cela 2 semaines. Mes chers frères et sœurs, il y a de cela 2 semaines que je parlais avec mon Seigneur. J'ai regardé la photo de ma feu maman. Je me suis agenouillée. J'ai parlé à ma mère, paix à son âme. J'ai prié à Dieu que Seigneur, je crois que j'ai trop essayé. Peut-être cet enfant ne développe pas au niveau cacalement, au niveau chiement, il ne développe pas. Ça veut dire que l'handicap de cet enfant a été sévère pour faire caca. Parce que son grand frère qui est aussi autiste, à l'âge de 4 ans, a toujours avec mes efforts, son grand frère avait commencé à chier dans le pot. Mais par moment, il se perdait, il chiait sur lui. C'était pas aussi grave comme le dernier. Par contre, le grand frère ne parlait pas. Et pourtant, le dernier a souvent des petits mots qui parlent. Vous voyez que l'autisme, c'est différent chez chaque enfant. Donc, son grand frère avait un peu plus développé au niveau d'aller aux toilettes par rapport au dernier né. Quand le dernier n'a atteint 6 ans, quand il a eu 6 ans, je ne me suis pas découragée de tout l'amener aux toilettes pour faire caca, non. Mais j'ai accepté la défaite. Parce que quand je l'amenais pour faire caca, j'attends 4 heures, il ne chie pas. Il pleure, il me griffe, il se jette au sol. Avec le cœur du maman, il dit, ouais, Seigneur, ça ne va pas. L'enfant, c'est, non, je crois qu'il faut que je le laisse. Donc, j'ai pitié de lui. Après, je le mets le pampers. Et quand je mets le pampers, il pousse le caca, il chie, debout. Après quelques temps, le pampers, il ne prenait même plus le pampers. Hey, il était maintenant devant la télévision. Il est devant la télévision. Pendant qu'il joue, il joue. Je vois ses mains. Il commence à chier dans le caleçon. Maman, mitounia, mon gouta, chimou, zambucha, yon mbore. Hey! Mitounia! À quel âge, maman? Donc, on veut que l'enfant si évolue. Donc, maintenant, le pampers, il ne demande plus lui. C'est maintenant chier sur lui. Mes chers frères et sœurs, sans le taper ou le gronder, j'enlève les cacas sur mon enfant. Je lave son pantalon et tout là. Je le relave. Ce qui fait que mon enfant, je l'avais même parfois 3 à 4 fois par jour. Mon enfant, maman a commencé à aller à l'école. Quand il va à l'école, il rentre, on le change. On m'a demandé d'apporter de lui donner d'autres habits. On le change parce qu'il chie dans son caleçon à l'école. Le stress sur moi. Parce que si une maman avait des enfants handicapés, elle dit qu'elle n'est pas stressée. C'est le mensonge. Déjà, toi qui n'es pas maman avec l'enfant handicapé, tu es stressé. Combien de fois maintenant nous? Le stress sur moi, mais la foi dominait le stress. Ouais, maman. Mais quand vous savez que moi, je coule trop la sueur, maman. Ne dites pas que ouais, la fille s'essuie trop, hein, c'est la maladie. Maman, il y a des gens qui coulent trop la sueur comme ça là. Donc, mes copines, pardon. Si vous voulez la sueur sur moi, ne dites pas que maman, c'est la saleté. J'ai mis toujours des déodorants sur mes aisselles. La sueur coule toujours. J'ai fait, il y a des gens qui sont naturellement sueleux comme ça là, maman. Moi, je coule trop la sueur, maman. Mes copines, mes chers frères et sœurs, l'enfant rentre de l'école. Il y a le brou caca qu'on a attaché toujours à moi. Le brou caca, ça veut dire quoi? Sachez que moi, je suis moi une personne qui est illettrée. C'est même sur les réseaux sociaux que je ne me suis même pas améliorée dans le français. Alhamdoulilah, Rabbi Alamin, Dieu merci. Donc, je dis souvent certaines paroles. Ne prenez pas ça au premier degré. Sachez que c'est ma façon de parler. Et merci pour tous ceux qui m'aiment comme je suis là. Je vous remercie infiniment. Et pour tous ceux qui ne m'aiment pas là, merci aussi infiniment. Parce que sans vous, je ne peux pas évoluer. Merci infiniment. Mes chers frères et sœurs, quand l'enfant rentre, le sachet de caca et tout comme ça. Je dis dans mon cœur que Seigneur, c'est parce que c'est des enseignantes. C'est parce que c'est des enseignantes. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elles font en enlevant ça. Parce que toi, la maman, l'enfant a 6 ans. Tu réfléchis que Dieu, tu ne peux pas laisser ton enfant à quelqu'un. Tu ne peux pas laisser ton enfant à une relative. Tu ne peux pas aller en voyage. Quand tu connais que ton enfant chie tout dans le caleçon. Parce que tu ne vois pas comment la personne va prendre ton enfant. Comment la personne... Parce que un enfant handicapé,
C'est pas grave. Mais si l'enfant handicapé est sale, ça veut dire quoi? Il fait des selles sur lui. À un moment, celui avec qui tu laisses là, tu ne sais pas ce que la personne peut faire. Donc la maman psychologiquement est troublée. Psychologiquement, j'ai réfléchi, ouais, Dieu, l'enfant s'est parti à l'école comme s'il a chié sur lui. Ouais, mort, la femme l'a enlevé l'enfant parce que toi, la mère, tu acceptes les caca de ton enfant. Hein. Mais est-ce que les femmes là vont accepter les odeurs là? Est-ce que les femmes là, ouais, c'est, je vais faire comment? Je porte l'enfant, je parle à l'enfant, je me mets à genoux, l'enfant ne comprend pas lui. C'est là, ils font ça, il fait des trucs, il fait ces choses là, il commence à avoir les crises d'autisme. Est-ce que c'est de sa faute? Bon, à un moment, j'ai compris que c'était comme ça que Dieu l'avait créé. Donc, où il est là, il serait seulement un chiétologue. Donc, pour lui, l'autisme a été sévère au niveau de caca, au niveau de pousser aux toilettes. Ça veut dire que je vais seulement passer ma vie seulement à essuyer seulement ses caca. Maman, elle pleure de ça chaque fois quand je réfléchis à ça. C'est stressant que tu amènes l'enfant à la fête. Pendant que les enfants de 4 ans vont chercher les toilettes, les enfants de 2 ans cherchent les toilettes, toi, ton enfant de 6 ans se met devant les gens, il va, il chie. Parce qu'on dit que, Brad l'a fait caca, il a fait caca. Ses amis qui sont comme lui, d'autres même qui ont l'handicap, comme lui là, mais qui chient là dans les toilettes là, pour toi là, il ne chie pas dans les toilettes. C'est celui qui chie toujours. Tu commences à être déjà traumatisé, que tu enlèves, hein. Tu as la foi, hein, mais tu as le traumatisme dedans. Et il y a un traumatisme parce que tu penses au futur. Tu penses au futur de cet enfant. Que, maman. Donc, maintenant, 14 ans, ils sont toujours. Donc, tu commences à réfléchir. Oh mon Dieu. Tu vas faire comment? Maman. Tu réfléchis ta vie. Donc, tu fermes tes choses, ça ne donne pas. Tu es même à l'aise, ton cœur est toujours que wow, ton enfant chie dans le caleçon. C'est pas facile. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas cédé. Je ne me suis pas découragé. Jamais. J'espère que le direct va aider beaucoup de femmes. J'espère que le direct va aider beaucoup de parents concernés. Surtout des femmes qui ont des enfants, qui sont seules avec les enfants handicapés. Et qui suivent millièvre à la fois. Parce que beaucoup d'entre vous me posez des questions, comment j'ai fait. Parce que vous n'avez pas la patience avec vos enfants à la maison. Parce que vous suivez seulement l'argent dehors. Vous suivez seulement l'amour. Vous n'avez pas le temps de vous asseoir comme ça là. Donner cette éducation à ces enfants là. L'éducation des enfants handicapés, c'est le quadruple de l'éducation de nos enfants qui ne sont pas handicapés. Donc sachez que vous avez un challenge du début jusqu'à la fin. Et acceptez ce challenge-là. Laissez d'autres lièvres et concentrez-vous sur vos enfants. Parce que même dans la maison, quand tu te concentres sur l'éducation de ton enfant, si ton vrai homme va venir un jour, l'homme-là, tu ne peux pas aller chercher l'homme-là dehors. Tu ne peux pas souffrir pour avoir cet homme-là. Dieu va t'envoyer cet homme-là si tu es fait pour ça. Mais si tu commences à tâtonner, tu tâtonnes, tu penses trop que oh, ta vie est en train de finir. Oh, voilà ta vie comme ça, tu es seul. Quel homme va encore te supporter? C'est que tu vas terminer ta vie sans avoir l'homme. Parce que tant que quand tu penses à ça, tu pleures. Au lieu de penser au lieu de te concentrer sur ce que Dieu t'a donné, tu penses plutôt à autre chose, tu pleures là. Dieu complique ta vie. Ça, c'est mon astuce que je vous donne. C'est ça pour vous aider. Si vous voulez aller dire après que elle a insulté, elle se prend trop la tête, elle monte, elle descend, c'est que vous allez parler derrière. Ça ne va rien faire sur la reine galloise parce que la reine galloise est riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis comblé d'amour. Dieu même, parce que mon fils a développé. Mon fils fait caca dans le pot aujourd'hui là. Moi, je peux maintenant marcher avec les talons. Je peux maintenant parler à haute voix. Parce que l'enfant, mon dernier né, ce que j'attendais de lui, Dieu m'a exaucé ça. Maman, il n'y a rien de plus beau sur la terre que je peux avoir, à part le changement de mes enfants. Donc tout ce que Dieu va me faire de merveilleux, c'est sur mes enfants que Dieu le fait. Ce n'est pas matériellement, hein, c'est sur mes enfants. Je vous parle avec tout l'épanouissement. Je suis, même depuis l'autre jour quand je dors, je suis comme ça au lit, que je rêve. Je rêve. L'enfant l'a maintenant chibon dans le pot. Vous connaissez comment ça fait que
Une maman ne doit plus laver les fesses de l'enfant, laver, enlever les couches à l'enfant comme un bébé, un nouveau-né. Vous voyez comment ça fait? Quand une maman sait que l'enfant maintenant va à l'école, il rentre propre. Après avoir mangé, ils vont faire les séances de toilette pendant une heure de temps ou bien 40 minutes. Maintenant, on fait 4 heures pour qu'il chie. Bientôt, je vais vous dire que maintenant, c'est une heure de temps. Après, je vais vous dire maintenant que c'est 10 minutes. Après, il va commencer à partir aux toilettes lui-même sans plus avoir besoin de moi. I am a rich girl. J'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma... Je suis en train de réussir ma vie. Oui. Car Dieu voit... Dieu voit le combat que je mène pour les autres enfants que je ne connais pas. Et Dieu me récompense. Il y a beaucoup de familles dehors là aujourd'hui. Des mamans que je ne connais pas. Qui m'envoient les sommes de prière. Des mamans que je ne connais pas. Qui se soucient de moi. Des familles que je ne sais pas, que je ne connais pas, qui prient pour moi chaque jour. Et la foi que j'ai en moi, avec tout ça là, top, Dieu a déclenché un truc de positif. Amen. Amen. Maman. Mes chers frères et sœurs, l'autre jour que j'ai fait le direct, la vidéo avec les pleurs, j'étais la maman la plus heureuse du monde. 1 milliard de francs CFA était petit, n'était rien devant ce que mon enfant avait fait le jour-là. D'ailleurs, ces personnes qui connaissent ce que j'ai ressenti vont dire que maman, la fille, a gagné le jackpot. Donc, c'était la fête. Au moins 4 familles à moi qui me connaissent à Cardiff sont venues boire le champagne. On a célébré ça. Oui, maman, on a célébré ça ici à la maison. Mais quand on célébrait, je dansais là. Je dansais, mais je disais dans mon cœur que, wow, ou bien demain il va encore faire pareil. Oh. Parce qu'il vient de commencer à chier dans le pot. Hein. Parce que parfois il peut chier comme ça le pot aujourd'hui là. Demain tu attends encore, il chie, ne chie pas lui. Comme Luther avait parlé quand il avait 2 ans. Luther m'a dit, mommy. Et quand il m'a dit mommy, là c'était la première, la dernière fois. Il ne m'a plus jamais dit mommy. C'est maintenant que j'ai dit que mamie, il dit aussi mamie. J'ai dit Luther. Donc quand il a chié comme ça le jour là, j'ai dit, pendant que mes frères et soeurs de Cardiff étaient en train de boire dans la joie et les prières, c'était une joie, c'était une fête, c'était l'anniversaire le jour là. C'était mon anniversaire que je fêtais le jour là. Les gens riaient, les gens étaient contents, tout le monde était fier. Moi, la maman concernée, j'attendais maintenant que le lendemain. Ah oui, mon grand Johnson. J'attendais que le lendemain. C'est pas vous dire que quand vous m'insultez sur les réseaux sociaux, vous me dénigrez là. Ça glisse sur moi comme le gombo. Vous inventez les choses sur moi. Ça glisse sur moi comme le gombo. Ma réussite, ma joie, mon souci, my concern in this world is my children development. C'est le développement de mes enfants qui me concerne, mes chers frères et sœurs. I am a lady that don't care. I don't care about anything. I care about the development of my children. Ce qui est le plus important sur la terre pour moi, c'est le développement de ces enfants que Dieu m'a donné, que je ne connais pas comment sera leur futur. Parce qu'ils ont un handicap, qu'il faut beaucoup prendre soin d'eux. Ce qui me concerne aujourd'hui, c'est la mentalité de nos frères africains envers ces enfants-là. C'est le changement de ces enfants avec l'handicap en Afrique. C'est ça qui est ma main priority. Ma main concern. That is my main concern. I don't care about anything. I don't care about how people see me. I don't care about how people talk about me. Because you human being will never be satisfied. Never. You can't satisfy a human being. Doesn't matter what you will give or what you go do to someone. One day they will always put you down. Like a piece of shit. So you have to believe. You have to live to make yourself and your family happy. I am a mother with children with disability. So you have to know that my life is for my children. My life is to see those children developing normally when they grow. Because it demands a lot of work, a lot of patience, a lot of love. Yes, my brothers and sisters, you are joking with the wrong person.
You are manipulated a wrong person. My life is focused of my children's behavior. Si j'ai bien parlé, vous savez que mon anglais quand je parle, on s'est parlé que le Mudimba. Ce n'est pas de ma faute si le Mudimba a pris tout ma gauche. Ce n'est pas de ma faute, maman. Donc moi, je parle même l'anglais, on dirait que c'est le Mudimba que je parle. C'est pas grave. C'est ma façon de parler. Mes chers frères et sœurs, my darling sisters and brother, le lendemain de ce jour, le lendemain du jour là, mes chéris, j'ai fait plus de 6 heures de temps. Ça veut dire 2 heures que j'ai coupé. 2 heures aux toilettes pour que Bradley chie. Niaque, Bradley n'a pas chié. J'ai encore fait l'autre 2 heures. Bradley n'a pas chié. Tout le temps là que j'ai fait aux toilettes là, si j'avais un homme dans ma vie, ça devait être comment? Est-ce que l'homme là devait être patient avec moi comme ça là? Vous ne voyez pas que j'ai sacrifié quelque chose pour l'éducation de mes enfants? Si j'avais un homme dans ma vie, est-ce que l'homme là venait s'asseoir et que j'ai fait les 2 heures là? Il serait impatient. Ça va le décourager, mais avec mais c'est quelle femme ça qui est toi avec ses enfants là? Non, mes enfants avant tout, maman. J'ai fait 6 heures dans le cas de 2 heures jusqu'au soir que nous sommes allés dormir. Bradley n'a même pas fait kikyo. Il n'a même pas chié le jour là, le lendemain. J'ai dit, Wambo, ouais, Seigneur, je donne la couche à l'enfant ici là. Ouais, Seigneur, ouais, comme il veut la couche là. Peut-être qu'il veut la couche. Parce qu'il me montre la couche avec qui il veut chier. Quand il me montre la couche avec qui il veut chier. Et quand il montre la couche maintenant, je dis jamais sur les toilettes. Comme avant, quand je faisais le train avec lui, 4 heures de temps, après je lui donnais la couche parce qu'il voyait que non, il dort avec les caca. Mon cœur m'a dit que ne lui donne pas la couche. Si tu lui donnes la couche, ça veut dire que tout le travail que tu fais là, tu vas me reprendre qu'à zéro. J'ai dit que papa, pas de couche, mieux tu dors avec les caca là. Nous sommes allés se coucher. Le matin à 6 heures, je me suis réveillée. Il s'est réveillé. Je l'ai encore mis au pot. Je l'ai mis au pot de 6 heures à 6 h 45. Il n'a pas chié. J'ai apprêté Luther rapidement. Parce que Luther aussi, vous savez que parfois il se lave seul. Parfois il faut que je l'apprête encore. Parce qu'il perd souvent. Parfois ça part dans sa tête. Luther est comme ça là. Je suis habitué à ça. Une semaine, Luther va se laver. Il va enfiler ses gants. Je vais se mettre devant la porte. Lui dit que lave les bras. Lave les aisselles, lave le visage, lave. C'est comme ça que Luther se lave. Une autre semaine, tu lui dis encore lave, il ne lave pas lui. Il est comme ça. Il est comme ça. Et pendant ce temps, le temps est en train de passer. Son taxi va arriver à 7h30. Donc parfois, quand je vois qu'il a perdu encore la tête, ce que je fais, c'est que quoi? Je mets les gants là, je l'aide parce que ce n'est pas le jour, c'est un jour de l'école. C'est le week-end, parfois je prends le temps que même s'il fait comme ça, je le laisse faire jusqu'à ce qu'il se lave. Mes chers frères et sœurs, quand j'apprends Luther, Luther finit à 6h45 là. À 7h15, je finis avec Luther, 7h15. Je pars encore mettre Bradley au pot le lendemain. Je pars mettre le surlendemain, je mets Bradley au pot. Bradley ne chie pas. Bradley part à l'école. J'appelle l'école, je dis à l'école, s'il vous plaît, il a chié finalement dans les toilettes. Avec le temps que j'ai pris. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à le traîner, à l'amener aussi aux toilettes de temps en temps? Parce qu'il ne dit pas qu'il va aller aux toilettes, il montre le pampès. Même s'il ne vous montre pas le pampès, amenez-le aux toilettes au moins chaque 20 minutes pour voir. Peut-être il peut chier comme ça là. On m'a dit, ok, ils ont compris. J'ai dit merci. Quand il est rentré de l'école, je vois que il n'a pas chié sur lui. Je dis, Seigneur, merci, papa. Dieu n'a pas chié sur lui. Maintenant, dès que je lui ai donné sa nourriture, tout là, à 16h15, je l'amène aux toilettes. Et ça recommence encore. J'attends. Il me griffe ici, oh. Il bavarde sur l'eau. Il tape sa main, oh. Il prend la fonde ici. L'insigne de... Ça, c'est l'insigne. Ça, c'est mon insigne, ma vie de l'hôpital. Le parent qui a besoin d'aide. Quand tu as 2 enfants autistes, on te donne ceci au Yuki. Tu marches avec ça. Quand tu as 2 enfants handicapés, il prend l'insigne dans mes mains. Il commence à jouer avec. Il tire. Il fait comme ça. Il jette même dans les toilettes. Je prends ça, il lave. Je lui donne encore. Il tire, il fait. Il monte. Il bavarde. Il prend mon téléphone. Il commence à manipuler. Je dis pardon, papa. J'ai autre chose à faire. Entre temps, j'ai mon premier fils qui a aussi l'autisme. Hein? J'ai mon premier fils qui est autiste qui a besoin de moi. Qu'est-ce que je fais? Mon premier fils a besoin de manger. Je dois courir à la cuisine pour faire ce
qui va manger, tout le monde est aux toilettes, tout le monde est à la cuisine, tout le monde est aux toilettes, de faire deux choses à la fois. Quand je sors, parler s'élève, je vais mettre balai encore aux toilettes, je reviens à la cuisine, je fais tac, quand je dois à mon premier fils qui est aussi autiste, parce que donc, il faut qu'il mange, il faut s'égoutter, il faut aussi l'assister. Dès qu'il a fini de manger, dès que je le sais là, tac, je maman encore m'assois aux toilettes encore avec Bradley. J'attends toujours, j'attends. 2h30 minutes s'écoulent. Donc de 16h15, voire 18h30, ou bien 18h40, 18h08, 18h30, il est tout là, il ne chie pas. Ha! J'ai dit, Wombo, l'enfant, il n'a pas chié hier. L'enfant, il ne chie pas encore aujourd'hui. Oh, Wombo, oui, je vais seulement donner moi le pampers qui m'est maintenant là. Ouais, Seigneur, j'ai fait la vidéo avant-hier. J'ai fait la vidéo, non, avant, oui, j'ai fait la vidéo, parce que hier, il n'avait pas chié. Avant, si j'ai fait la vidéo, ouais, tout le monde était à content sur la toile que, ouais, je vais encore lui dire qu'il a encore chié le pampers. Non, la reine galloise, jamais. Il ne chie plus dans ce pampers-là. Je dis jamais. Je le lève un peu de toilette, à 18h30 là. Il rentre dans le salon. Le temps que je lave ses mains tout et tout là, je lui donne encore maintenant son goûter, un peu de truc, il s'amuse encore un peu. Dès qu'il boit son smoothie d'eau, son jus naturel tout et tout là. Tac-tac! J'amène encore aux toilettes. J'ai dit, il s'assoit. Il commence à pleurer. Il m'a même griffé ici là. Voilà mon nez qui est blessé là ici. Il commence à pleurer. Il envoie ses mains comme ça. Il pleure. Il est comme ça. J'ai dit que papa, oh papa, que lutter. Bradley is a good boy. Bradley is a good boy. Bradley is a... La chanson de ça. Tu deviens autiste aussi, hein. Quand tu as un enfant autiste, toi-même tu deviens autiste. Tu te comportes avec eux comme les autistes. Tu ne fais pas comme si tu donc tu rentres à son niveau. Je vois faire un ballet. Je commence à chanter. Je fais les choses tout et tout là, c'est qu'il aime tout ça là. Il est assis que aux toilettes là. Après un moment, je dis que mon père, on a commencé depuis 5 ans. Tu m'as fait la surprise avant-hier. On a fait une vidéo où tout le monde est content. Les tontons et les tatas qui ont prié pour toi sont contents. Dieu a exaucé la prière. Donc, papa, pardon. Tu vas seulement que chier dans le pot là. Il n'y aura plus de pampers dans ta vie. Pardon, mon père, chion. On sort. Balai là seulement. Quand je parle, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Il dit, oh là là, oh, il fait ces choses. Oh là, j'ai dit, je vais seulement m'asseoir. Après, j'ai fait la vidéo, vous avez vu là, non? J'ai dit, il est fatigué. Vous allez voir, il y a un trait qui est gonflé ici là. Parce que parfois, je ne dors pas la nuit. Donc, mes yeux gonflent, mon visage gonfle, tout et tout. Souvent, les scènes, tout ça. Parce que je ne dors pas vraiment. Je n'ai pas un sommeil comme tout le monde dort. Maintenant, j'ai fait la vidéo là, on me fait la vidéo, tout et tout là. Parce que j'étais déjà encore traumatisée. Yay! Ouais! Je dois faire la vidéo aussi pour que les femmes la voient que ce n'est pas un truc du jour au lendemain. C'est un truc qu'il faut prendre de la patience. C'est un truc qu'il faut vraiment, il faut se donner à ça. C'est pas un truc comme ça. Maman, quand j'ai fini de faire la vidéo là, mes cours, je reste encore comme ça là. Je suis encore là. Il prend encore ma fronde là. Il bavarde encore. Il commence à vouloir tirer maintenant que c'est son zizi. Il tire son zizi ou la fronde. On s'est dit non, ne touche pas ton zizi. Tu restes, tu te concentres. Non, tu ne touches pas ton zizi. Tu restes tranquille. Dès qu'il veut toucher, j'enlève les mains. Il veut toucher, j'enlève les mains. Pardon, parce qu'il fait beaucoup de choses, non? Il est bored. Il veut se lever. Pardon, papa, chie. Pardon, mon père. Caca, poupou. J'envoie ma main même là-bas que poupou. Je fais des signes pour lui dire que je veux les caca. Hey! À 19h30, 19h40. Mes chers frères et sœurs, n'écoutez, ne suivez pas mes directs comme les Dalton, hein? Ne suivez pas mes directs comme les Dalton. Parce que nous sommes dans une éducation physique. Nous sommes dans une éducation, on appelle ça quoi? Éducation handicapée. Éducation édifiante. Nous ne sommes pas dans le direct, si là. Comme un direct où on tape le japap, ou bien un direct où on veut seulement danser là. Ça, c'est un direct. Que si une femme qui a les mêmes situations que moi, si c'est que son enfant la dépasse, si elle s'assoit, elle écoute mon direct, et elle pratique, comme beaucoup ont pratiqué ce que j'ai dit, elle va voir ce qui va se passer dans sa vie. Je vous partage mon expérience. Je partage mon expérience. Donc, c'est la réalité que je vous parle. Mes chers frères et sœurs, my darling people, après 19h45, je ne le regardais plus. Hein. J'avais envoyé mon visage un côté comme ça. Mais j'ouvrais un peu mes yeux un peu pour voir ce qu'il va faire. Pour qu'il n'envoie pas ses mains dans les toilettes. Parce qu'il faut toujours regarder. Parce qu'il ne faut pas qu'il envoie sa main dans les toilettes. Maman, après un moment comme ça, je regarde comme ça, je vois seulement
Quelqu'un qui se concentre, ça descend. Tout les caca. Quand les caca ont commencé à descendre, tout. Quand les caca descendent, c'est comme si Jésus était descendu sur la terre. J'ai fait comme ça. Oh, dans mon cœur, je dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Papa, dans mon cœur, c'est les louanges. Ne dis pas que elle est musulmane ou bien chrétien. Non, j'ai la foi en Dieu. Je ne suis pas de religion, mais je suis ma foi qui est en moi. Ça veut dire qu'il arrive parfois, je prie en musulman. Et parfois, je prie en chrétien. Ça veut pas dire que je suis en train de crier les églises ou bien les mosquées. Non, je suis avec mon Dieu. Donc, c'est le Dieu seul-là qui nous a mis, qui a créé le ciel et la terre. C'est lui que, c'est à lui que je crois. Mes chers frères et sœurs, voilà comment que je commence à faire la prière dans mon cœur. Je dis donc, papa, l'affaire c'est là. Mais quoi? 3 jours aujourd'hui là, Balé n'a pas mis le pampers. Balé n'a pas fait caca sur lui. Que pff, il fait. Parce qu'à un moment, il fait. Rappelez pourquoi il était souvent en direct, non? Il va me donner le pampers. Que je lui mets le pampers, non? Quand je mets le pampers, après qu'est-ce qui se passe? Oh, va l'étoile de Cribien qui est là. Oh, maman! Ouais, envoie le cœur pour l'étoile écribienne, mes quotas, pardon. Ouais, l'étoile écribienne, vous êtes en train de donner des cours gratuits pour tous ceux qui ont des enfants handicapés, bravo. Merci, l'étoile écribienne, maman chérie. Ouais, ma petite soeur, merci beaucoup, mon vœu. Merci, maman chérie. Merci pour le soutien, l'étoile écribienne. Merci, ma grande, merci. Merci, maman, merci. Eh, Dieu. Maman, envoie le cœur, non? C'est quoi avec vous, non, les filles? Envoie le cœur pour la belle fille de Cribi, pardon. Il ne va plus jamais faire ses besoins sans que dans sa vie. Maman, amen. Amen, 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 amen. Mes chers frères et sœurs, c'est la persistance, la persévérance, oui, le courage. Enlevez dans vos têtes que l'homme est... Parce que les hommes, ce sont nos hommes. Les hommes-là, ce sont nos anges que Dieu a envoyés sur la terre. Mais toute femme n'a pas la chance d'avoir un vrai homme devant à côté d'elle. Donc si toi, ma soeur, tu me vois, si tu as un enfant handicapé et que tu n'as pas la chance d'avoir un homme, ne pas trop chercher l'homme. Concentre-toi sur le handicap de tes enfants. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas une vie. C'est comme moi, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Ça ne veut pas de moi une femme qui ne fait pas l'amour. Quand je veux m'envoler en l'air, je m'envole en l'air. Ah oui, parce que je suis une femme, quand je passe quelque part, on me grague toujours. Et quand on me grague, je vois celui que mon cœur frappe avec. Si je peux t'étudier même 3 jours, après tu enlèves l'eau dans mes reins, c'est bon. Quand tu enlèves l'eau dans mes reins, chaque personne prend sa route. Ne mets pas ton cœur sur la reine galloise. Parce que la reine galloise a le cœur que sur l'éducation de ses enfants. La reine galloise veut un jour partir sur cette terre et savoir que ses enfants qu'elle a laissés sur terre-là ne sera pas un grand souci pour le locataire de la terre. C'est Dieu qui m'a donné cette charge. Le Seigneur m'a donné cette charge. Je dois montrer au Seigneur que j'ai accepté ça avec joie. Que j'ai accepté cette charge avec joie, avec amour. Voilà pourquoi j'ai pris l'initiative aujourd'hui de me retourner vers mes frères africains. En tant qu'une Européenne, née en Afrique, à Lambou City, à Brazzaville, dans le lobby, comment tu as lobby, dans le Nyamton, au fin fond, celle-là qui a nagé marécagement avec les sangsues. J'ai dit que mon nombre de temps en Europe doit me permettre aujourd'hui, en tant que maman des enfants handicapés, de retourner mon visage, mon expérience de la vie d'Europe au service des enfants handicapés en Afrique qu'on a tant négligé, qu'on a tant rejeté, qu'on a tant tué, qu'on a tant... Je veux faire partie de ces personnes, des ambassadeurs et des ambassadrices. De ces enfants dans le monde entier. Ces personnes qui ont toujours lutté pour la cause de ces personnes-là. Je veux juste faire partie de ces personnes. Pour qu'avec ma voix aussi, les choses puissent changer dans la vie. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Je ne demande pas de l'audience pour détruire mon frère ou ma soeur. Non, je demande seulement au monde entier que pardon, prenez le temps de m'écouter. Car ceux qui m'écoutent là sont en train de profiter de ça. J'ai des témoignages. Oui, mes frères et sœurs, j'ai des témoignages. Je ne parle pas depuis 4 ans sur les réseaux sociaux dans le vide. Car beaucoup de femmes profitent de ce que je dis.
de mon quotidien. Les gens au début ont dit que quelle est cette femme qui se vend sur les réseaux sociaux? Quelle est cette femme qui vend ses enfants, qui salit ses enfants chaque jour comme ça? Oh la honte de ça. Mais avec le temps, parce que quand tu veux parler à l'être humain, quand tu veux parler à l'être noir, ton frère africain, il faut prendre le temps pour l'esprit, pour t'exprimer. Il faut prendre le temps pour véhiculer le message. Il faut prendre le temps pour lui faire comprendre que ce que tu es en train de dire, c'est un truc qui va bénéficier beaucoup de personnes. C'est pas pour venir faire du mal à quelqu'un. C'est pas que tu détestes tes enfants. C'est pas que tu vends tes enfants au monde entier, jamais. C'est que tu veux seulement faire partie des personnes. Qui promoutent. On dit qu'ils promoutent, mais qui fait quoi, mes cours? Vous savez, le français n'est pas facile, non? Des personnes qui luttent pour la cause. Que ce soit des enfants non handicapés et des enfants handicapés. Mes chers frères et sœurs, Bradley a fait caca hier. Et quand il va rentrer à 15h45 aujourd'hui là, après son goûter et tout, on va encore reprendre la séance des toilettes. À 16h30, je l'amène encore aux toilettes, je m'assois encore avec lui. Mais à un moment, si je vois qu'il dure beaucoup aux toilettes sans chier, je vais juste mettre le pampers à côté de moi. Parce que je connais que s'il veut faire caca, parce que je ne peux pas commencer à le forcer dès maintenant là. S'il veut faire caca, il va seulement me donner le pampers parce que le pampers est encore dans son cerveau. Et quand il va me donner le pampers qui est signe de que je vais chier, qu'est-ce que moi je vais donc faire? Je vais encore l'amener aux toilettes encore, signer encore indien avec lui aux toilettes. Que les caca doivent sortir dans les toilettes à mon père chéri, mon papa, il y a mon bobo chéri. Caca, tu vas aux toilettes l'indien. Et le temps que je vais encore donner à mon enfant, à la fin, il va encore chier dans les toilettes. Et si ça dure comme ça pour un mois, même ça va prendre même 6 ans encore, c'est pas un problème. Mais un jour ou l'autre, cet enfant va aller faire les cacas maintenant seul, sans encore vouloir, sans encore avoir besoin de moi pour l'amener aux toilettes ou pas. Tout chose, c'est mieux que la persévérance. Merci beaucoup, maman Ingrid Ndike. Merci, maman Kila, Laguna B. Merci. Lydia Oloua, bonjour maman chérie. Bonjour mes chers frères et sœurs. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à ceux même que je n'ai pas lu le commentaire. Merci bien de partager le direct. Merci de m'encourager. Et merci aussi de me dénigrer. Merci aussi de venir chercher le poudre sur ma tête par moment pour aller faire les postes ou bien pour aller dire que j'ai insulté tel ou quoi quoi. Merci aussi pour tout parce que grâce à vous, tout ça, ça va ensemble. Tu ne peux pas évoluer sans injure. Tu ne peux pas évoluer sans calomnie. Non, on ne peut pas tout te caresser au sens du poil, c'est ce qu'on dit là. On ne peut pas tout te donner le yaourt, chocolat chaque fois. Il faut souvent qu'on te maltraite aussi un peu, qu'on essaie un peu de te troubler pour que tu te réveilles. Mais ce que j'ai dit, c'est quoi? La reine Galois, c'est un personnage qui respecte beaucoup de personnes. Mais quand tu viens en face, dans la réalité, attaquer la reine Galois te casse la bouche. Oui, mes chers frères, parce que dans la vie, il faut dire ses vérités. Quand tu viens en face attaquer la reine Galois te chandalise. Parce que je suis une fille du Nyamton. Je suis une fille qui a grandi dans la guerre. Et ce n'est pas fini. Mais le respect de son prochain est inné. C'est dans moi. Je connais respecter mon prochain. Je connais ta azimbelon. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Jamais. C'est le respect. Et le respect n'est pas synonyme de peur. Neva. Merci Michel Kenyé. Merci. Karine Hélène Kitoko, bonjour. Alexia Diamanté, bonjour maman chérie, merci infiniment. Bon, je vais lire vos questions. Et pour le centre social, c'est déjà là. Le centre social a déjà été. Je vous ai dit que j'ai loué une place à Lobessou. Pour ceux qui me disent que prends l'argent, tu construis avec. Je répète encore, on ne coupe pas, on ne fait pas. Qui va lentement va sûrement. Le centre social est créé parce que le centre social va être un refuge des enfants abandonnés avec l'handicap. Le centre social veut donner de la joie dans le cœur des familles qui sont négligées, qui n'ont plus de personnes avec qui parler. Le centre social va apporter un peu la vie de l'Europe en Afrique. Le centre social veut édifier. Le centre social veut de la chance à beaucoup des enfants d'apprendre un peu des petites choses au seuil du centre là-bas. Le centre social veut de l'opportunité aux enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un médecin.
que derrière le centre social, ces enfants pourront être consultés par un docteur. Par, surtout, le cas de maladie, c'est très important. Donc, on ne peut pas prendre l'argent pour aller mettre sur le terrain et construire la maison, le matériel de la terre. Pour le moment, on va louer comme on a loué là. On loue d'abord pour le moment. Si, si je donne 1 500 000 pour le logement, pour un an de loyer, c'est pas grave. Au moins, c'est bon. C'est pas grave. Parce que si je vais aller acheter le terrain, ça va être combien? Si elle veut construire vraiment une place bien pour ses enfants-là, ça serait combien? On va voir qu'on va seulement courir dans le sac. Il faut aller mollo, mollo. Donc, pour le moment, on a trouvé une place à Lobessou, dans un quartier bien résidentiel de Lobessou. Un quartier qui ne va pas trop, que les enfants ne peuvent pas se perdre n'importe comment là-bas, jamais. C'est déjà un bon départ. Quand ça serait décoré, vous allez voir, on est à trouver, à partir du 1er juin, on aura, cette maison va nous revenir. On a déjà tout payé, mais le 1er juin, ça va nous revenir. Et à partir du 1er juin, là, dans le jour maintenant, on va faire les décorations, les tables, les chaises. Il y a des gens qui voulaient donner les dons des chaises et tout là. Contactez-moi inbox, hein. Si vous voulez aussi donner les dons des chaises, les dons des décorations du centre, participez comme vous voulez. Même s'il y avait les sacs du riz, les fauteuils roulants, les instruments des enfants, tout et tout là, vous êtes la bienvenue. On vous attend. Parce que c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons aider ces enfants-là. Nous voulons donner une place à ces enfants-là souvent pour s'épanouir. Au centre social, les enfants sales avec l'handicap seront souvent lavés, habillés. Oh Seigneur, Dieu seul sait ce qui est devant. Je ne veux pas trop parler. Mais vous verrez, car c'est une maman qui a des enfants handicapés et qui a eu la chance d'être en Europe, qui a ce projet à main. J'ai fait déjà un big up à ma soeur Anita Nunke de la Belgique qui fait ce même combat depuis des années aujourd'hui. Depuis des années, elle fait ce même combat. Maman d'un enfant autiste. Cette femme-là qui a envoyé un carton de savon, un peu de tout, pas pour le centre social, hein, pour vos enfants ici, là, que maman, tu vas faire jusqu'à 2 mois et demi au Cameroun, là-bas, la reine galloise. Ça ne serait pas facile pour toi, hein. Je vais te soutenir avec les aliments, tout et tout, là, avec le savon et tout, pourquoi tu, il faut, parce que je connais que tu vas, ça ne va pas être facile. Tu as besoin de trucs à la maison, tout et tout, là. La maman, là, m'a envoyé un carton de la Belgique, là-bas. Donc, mon petit frère va récupérer ça pour la maison. Mais ça ne sera pas seulement pour la maison. Car, ça, comme ces deux cartons-là, on va mettre l'autre au centre social. Parce que ça va aussi aider aussi les enfants là-bas. Hein, mes chéris? Le centre social va souvent, le week-end, le vendredi, partager partager les repas aux gens. Chaque jour que Dieu a créé, le centre social DA, Diaspora Africaine de la Reine Galloise, va faire la cuisine. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique, même la famine leur donne la perturbation de la tête. Donc, si les gens se retrouvent avec les enfants handicapés, mais au centre social, comme ça, et qu'ils ont un plat de nourriture pour manger, même de l'eau pour boire, parfois ça change aussi la mentalité. S'il y a moyen de consulter un enfant qui est malade et que le parent n'a pas l'argent pour consulter, ça change aussi. Ça change beaucoup de choses. C'est petit à petit. Nous ne sommes pas un centre social des riches. Nous sommes un centre social du bas peuple. Donc, avec le temps, quand on va légaliser, parce que c'est légaliser déjà le centre social qui est important. Quand on va légaliser le centre social là, avec le temps, nous allons envoyer des courriers dans des entreprises, des sociétés, des gens qu'on pourra maintenant toquer la porte, que pardon, aidez-nous pour qu'on puisse aller jusqu'à la fin. Parce que ce qui est sûr, c'est ça. Même ceux qui ont déjà l'argent, qui ont eu, même ceux qui font dans l'humanitaire, qui ont l'argent fatigué là, demandent toujours. Combien de fois allons-nous, le bas peuple? On ne peut pas demander comment, maman. On ne peut pas demander comment, mes cours. On va seulement que demander. Parce que c'est en demandant que tu reçois pour aider le bas peuple. Ou bien je parle mal, les frères et sœurs. Donc, vous qui êtes au pays là-bas en ce moment, ou bien vous qui avez des tables, pas des tables bizarres, parce que le centre social, c'est un centre bien joli, hein. C'est déjà là. Parce que je ne sais pas s'il faut que je vous montre ça maintenant, là. Ou bien qu'il faut que je vous montre, mais j'attends d'abord la décoration, mes cours. Je vous montre ça maintenant. Ou bien j'attends d'abord, moi, quand je descends au pays, je fais la décoration. Parce que le diable est très fort, hein.
Je peux vous montrer encore, je peux vous montrer maintenant, les postes se multiplient encore sur moi dans les directs encore, on commence encore à me saboter encore, je ne sais pas, hein? I don't know. Vous savez maintenant, j'ai moi peur maintenant des réseaux sociaux, grave, hein. Dans la vie, il faut réfléchir avant de faire les choses. Poser les questions, non, c'est comment? Maman, tu me donnes la chair de poule. Karine Hélène Kitoko. La chair de poule, c'est le début. Vous aurez la chair de poule quand je vais descendre au Cameroun. Oui. Vous aurez la vraie chair de poule. N'ayez pas seulement la chair de poule. Préparez-vous à assister, à contribuer dans l'évolution du bas peuple là, avec l'handicap. Parce qu'ensemble, l'union fait la force. Ces gens que je vais soutenir, ces gens que je pars au pays, je suis jamais resté en Europe. Après 4 mois, je suis reparti au pays. Reparti au pays, c'est un budget. Reparti au pays, c'est programmé. C'est un truc. C'est rare. Je vais repartir au pays après 4 mois, pourquoi? Si ce n'est pas pour cette cause noble-là. Mes chers frères et sœurs, j'ai mis tout mon âme. J'ai mis tout mon esprit. J'ai mis tout ma force pour ce projet. Parce que c'est le moment. God's time is the best. Le moment de Dieu, c'est le moment. C'est le moment que Dieu a dit que c'est comme ça, ça va être. Pourquoi avant, ce n'était pas comme ça? Pourquoi c'est maintenant? Posez-vous la question. Parce que chaque chose a son temps. On ne court pas dans la vie. La vie, ce n'est pas la concurrence. La vie, ce n'est pas la course. Il faut aller mollo, mollo. Car le moment venu, Dieu te montre ce que tu dois faire. J'entre dans 40 ans le mois prochain. Le 22 juin, c'est mes 40 ans. Et une ouverture s'ouvre encore. Que maintenant, je vais maintenant pencher ma vie aux handicapés démunis. Vous ne voyez pas que ça, c'est la volonté de Dieu? Que c'est la volonté de Dieu? Mes chers frères et sœurs, ce que je ferai au Cameroun, Inch'Allah, le monde entier va témoigner. D'autres dénigreront. D'autres vont prier même que ça échoue. Pourtant, c'est les œuvres humanitaires aux enfants innocents. Mais l'être noyé comme ça. Mais ce qu'est-ce que ce projet va réussir à 100%. Car c'est pour élever les enfants différents et démunis. C'est pour aider aussi les enfants différents et démunis. Et il y a beaucoup de personnes qui aident ces enfants depuis des années. Mais on ne peut pas aider tous les enfants d'un pays. Ou bien de l'Afrique. Moi, mais la reine Gadoua, je ne pourrais pas aider tout le monde. Je ne fais que faire partie des gens qui font la promotion de ces enfants-là. Je veux seulement apporter pour moi un peu de savoir, de choses aussi, d'éducation, de petites contributions. Comme mes soeurs et mes frères qui ont commencé depuis des années à le faire. Ce n'est pas que je veux venir changer les choses, jamais de la vie. Je veux seulement continuer ce que les autres ont commencé à faire. La seule différence, c'est que quoi? D'autres le font dans le noir peut-être. D'autres le font peut-être parce qu'on ne le connaît pas. Pourtant, la reine Galois, c'est une personne qui est sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que pour la reine Galois, serait braquée directement via les réseaux sociaux. Pour la reine Galois, s'appelle diaspora africaine. Car c'est un projet que la diaspora africaine met la main. Et aussi, un truc, je vais vous dire, hein, mes chers frères et sœurs, le litchi. Aïe, 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 aïe. Le litchi, vous voyez ici, là, ce n'est pas facile. Hein. Quand tu fais le litchi pour une cause sociale, il faut avoir les papiers, hein. Il faut avoir les papiers pour justifier ce que tu as dit faire. Hein? Sinon, l'ITI ne donne pas l'argent. Hein? Oui, mais il y a un compresseur de la TKC qui a parlé de ça un jour. J'ai vu un direct où le compresseur a parlé de moi. C'est une personne qui m'avait fait part de ça. Je suis allé regarder. Quand le compresseur a dit ceci dans son direct, que ma chérie, sache que ce que tu fais là, on cotise là. L'ITI est devenu très compliqué. Aïe, ah, yeah. Que l'ITI est devenu très compliqué. Pour te remettre l'argent là, si tu n'as pas les papiers qui prouvent certaines choses, on ne peut pas te remettre cet argent. Quand j'ai écouté ça, ça entrait ici là, c'est sorti de l'autre côté. J'ai dit, mais que ça va être compliqué même par rapport à quoi? Maman Nangaï, Nzambe Ozali, hein?
Et quoi dit dans Django? Ah. Chance que ce que je fais là, c'est un truc légal. C'est un truc légal que j'ai dit, il y a un comptable, un avocat, un huissier même derrière ça. Chance que c'est un truc légal. Si ce n'était pas un truc légal, mais quoi, ce serait même 5 francs. Hein? Kilik, Litchi ne me donnait pas. Mes chers frères et sœurs, il a fallu que j'envoie les papiers du devis, la location du centre, la carte d'identité de la personne qui est responsable au Cameroun, mon compte bancaire sur PDF, tout là, à Litchi, pour que Litchi puisse prendre une décision finale. Mes copines, Litchi, vous voyez là, vous faites les trucs sur, avec Litchi là. Maman, mieux vous faites PayPal, hein. Allez faire PayPal, c'est mieux PayPal, hein. Parce que Litchi, quand tu fais les trucs de Litchi là, et que tu mets que tu veux faire telle chose avec l'argent là, sachez qu'il y aura les preuves de ça, hein. Il faut les preuves. Maman, les preuves de ça. Si c'était que je voulais seulement arnaquer les gens, et que je n'avais pas l'air à toutes ces personnes-là qui travaillent avec moi, là, toute cette équipe-là, je devais prendre le devis où? Attends, je devais prendre le devis où? Je devais prendre tous ces chats, je devais faire comment? Chance qu'Emma, même le centre social a déjà été pris. Ouais, Dieu! Oh, je viens de partager le direct. Désolé si je me fais. Ah, je vais stop. Moi, je te comprends, maman. Tu as les enfants de maman. Tu as les bêtises. Tu as les... Je vais même t'appeler, Mako. Comment tu vas, bébé? Comment vont mes jumelles là-bas? Les jumelles vont bien, maman. Maman, le poids de ça, maman. Le poids de ça. Laisse-moi manger, pardon, maman. Laisse-moi. J'ai besoin d'énergie pour faire les choses. Laisse-moi manger ma nourriture avec. Mes copines. Donc, je vous disais là, mes chéris, au centre social, nous allons donner, et je vais encore parler un peu aux mamans. Il y a beaucoup de mamans qui veulent que je mette les vidéos sur la toile. Il y a beaucoup de femmes avec des enfants handicapés qui sont désespérées, qui veulent que je mette les vidéos sur la toile pour qu'on puisse leur venir en aide. Je dirais à ces mamans-là que vous êtes tellement greedy, que vous pensez seulement qu'à vous et vos enfants. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la Reine Galloise ouvre un centre social des enfants différents et démunis. Ça veut dire que si quelqu'un veut aider une maman en passant par la Reine Galloise, doit aider le centre social là. Parce que la Reine Galloise, si elle voulait penser à elle seule sur les réseaux sociaux, ce que je n'ai pas mis ce projet à main, ce que je n'ai pas fait ce que je suis en train de faire là, ce que je montre mes enfants handicapés, je parle seulement de moi, une place avec mes enfants et les donateurs, les bonnes personnes, parce qu'il y a des bonnes personnes sur la toile, hein. Ah oui. On nous appelle toujours les mendiantes, oh les comme ça, tu es tout là. Mais les gens donnent toujours, hein. Les gens aiment souvent qu'on mange eux l'argent. Les gens adorent souvent donner. Parce qu'ils voient que tu parles ce qui leur plaît. Tu es une personne qu'elle aime bien. Elle te donne sans regarder derrière. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner. Donc si j'étais une aussi qui pensait seulement qu'à moi seule, je ne devais jamais moi faire le projet du centre social. Aujourd'hui, des personnes qui me supportent avec mes enfants, elles préfèrent supporter. Soutenir l'initiative. Soutenir le centre social que je vais ouvrir là. Parce qu'ils connaissent que c'est mon choix. Eux, ils préfèrent soutenir le centre social là. Pour aider beaucoup d'enfants. Donc, vous, les mamans là, qui pleurez dans mon inbox, qu'il faut que je mette vos vidéos sur la toile là. Sachez un truc, maman. Je mets vos vidéos sur la toile. Une personne vous appelle, on vous aide. S'il y a 1000 personnes qui regardent vos vidéos et qui sont compatibles avec vous, s'il y a 1000 personnes qui vous envoient 100 000, ça fait combien? Ça fait 1 million. Vous allez avoir les 1 million là. Quand je vais arriver au pays, vous allez encore courir, encore venir vers moi, encore me regarder comme ça là. Comme si vous n'avez jamais eu l'argent dans vos vies. Pour que je donne encore, je m'occupe encore de vos enfants, encore tout et tout là. Comme si vous n'avez rien eu. Non, maman, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça, mes chéris. Donc, tout donateur, donateurs et donatrices des réseaux sociaux via Facebook. Mes chers frères et sœurs, vous qui suivez mes directs et qui regardez les vidéos des mamans que je mets sur la toile là. Si toi, tu as vraiment le cœur, dis-toi que la Reine Galloise, c'est une maman aussi avec des enfants différents. Elle est en Europe. Elle est sur les réseaux sociaux depuis.
Si elle voulait profiter des réseaux sociaux pour elle seule et ses enfants, elle ne veut pas lancer ce combat. Supportons l'initiative de la reine galloise. Car cette femme qui a les enfants différents là, elle connaît ce qu'elle est en train de faire. Elle a le plan pour beaucoup de mamans là-bas. Parce qu'une maman seule ne peut pas manger tout. C'est pas bon. Une maman seule ou bien deux mamans ne peut pas manger tout. C'est pas pas donner tout à une seule personne. Comme toi, tu regardes ma vidéo et que tu m'appelles, tu me donnes 500 livres maintenant là. Sache que l'autre personne va regarder ma vidéo, m'appeler, me donner au moins 300 livres. Et si je mets ce matin dans mes poches, je garde. Je vais faire comment les autres personnes qui n'ont rien. Et d'autres personnes qui n'ont rien eu, qui n'ont pas cette chance, je vais faire comment d'eux. Donc nous voulons tamiser les choses. Nous voulons rendre la vie un peu possible. Nous voulons rendre la vie apaisée. On dit paisible. Pas seulement une seule personne. À beaucoup de femmes qui n'ont pas cette chance-là en Afrique, mes frères et sœurs. Donc quand tu vois une vidéo que la reine galloise met sur la toile, sache que tu dois appeler le 00-237-677-70-67-41. Au nom de Yamin Risto Audrey, pour contribuer pour le centre social, parce que c'est le gérant du centre social. Ou tu appelles le 00-44-78-88-87-52-94, qui est la reine galloise, Mariam Samira Abouakar, pour contribuer pour le centre social. Parce que nous sommes en train de vouloir faire quelque chose que beaucoup de personnes vont profiter en Afrique. Que beaucoup de mamans vont profiter. Pas une seule maman. Pensez que la reine galloise ne vient pas parler ici là en tant qu'une personne qui n'a pas un poussin, en tant qu'une personne qui n'a personne qui a l'handicap. Parce que si je faisais cette campagne étant neutre, le genre que je n'ai pas d'enfant avec l'handicap, ça vous devez dire que maman, bravo la reine galloise, franchement bah, je ne veux pas vraiment connaître la peine là. Je ne veux pas le faire parce que je suis humaine. Comme j'ai mon côté humain là, que j'ai de la compassion pour les handicapés, oui. Mais j'ai de la compassion pour les handicapés et je suis aussi maman des handicapés. Ça veut dire qu'en faisant ça, je fais ça comme une maman qui a besoin de voir beaucoup de personnes sourire. Parce que je connais qu'une seule personne, pas seulement sourire. Comprenez un peu là où je veux partir, maman. S'il vous plaît, mes chéris. Comprenez un peu le message que je suis en train de vouloir véhiculer depuis. Donc là, je mets une vidéo d'une maman. Ne vous concentrez pas seulement sur la maman. Parce que vous avez vu un enfant paralysé. Vous avez vu peut-être un enfant qui baffe. Vous avez vu un enfant peut-être qui est un jar. Vous avez vu peut-être la maman est bizarre. Comme il y a une maman seule. Comme une maman est abandonnée avec son enfant là. Et il y a des milliers de femmes comme ça qui sont abandonnées avec leurs enfants handicapés. Et voilà pourquoi on a mis en projet. Voilà pourquoi la reine galloise, la maman des enfants handicapés là, est en train de se mettre toute mon énergie aujourd'hui là pour envoyer le message dans le monde entier pour améliorer les choses dans la vie de ces mamans là. Oui. Merci Zozo, merci infiniment. Dieu de gloire, merci chérie. Donc mes chères mamans, si mes directs vous édifient, c'est bon. Si mes directs entrent vraiment dans vos cœurs, c'est bon. Parce que mes directs ne peuvent pas plaire à tout le monde. Non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas un poussin chez eux. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'handicap. Non. Beaucoup de personnes qui ont même les familles, qui ont des enfants handicapés, mais ils s'en foutent. Mais des personnes concernées, des personnes avec des enfants différents qui sont concernées, vont toujours comprendre d'où je viens. Vont toujours me soutenir. Parce qu'ils connaissent ce que je suis en train de vouloir faire. Des personnes qui n'ont pas d'enfants handicapés, mais qui ont le cœur de maman, qui ont le cœur d'ange, vont toujours soutenir ce projet. Car ils connaissent ce que je suis en train de véhiculer. C'est très important. Encore des questions, si c'est possible, mes chéris, je vous réponds et puis je vous laisse partir. Hein, parce que je ne veux pas prendre un direct. Vous savez, je vous ai dit, je ne veux plus faire les directs de 4 heures de temps, 5 heures de temps, parce que ce n'est pas en faisant un direct de 5 heures de temps que tu parles. Qu'on va te comprendre. Même le direct de 10 minutes ou 30 minutes, ce que tu as déjà envoyé dans le monde entier, c'est ça qui est important. C'est le message que tu véhicules qui est important, mes chéris. Franchement. Posez-moi encore quelques questions et puis on va se dire au revoir pour bonne journée pour aujourd'hui. En attendant, on voit demain.
Et en passant, si des gens qui étaient dans le direct ont vu que j'ai dénigré l'artiste Longuet Longuet, mes chéris, je suis désolée. Longuet Longuet, c'est mon grand frère. Je l'aime tellement comme un frère. Mais pas comme un gringo ou bien un amant. Jamais de la vie. Jamais. J'ai juste dit, encore, je me répète, que je ne vais pas être avec quelqu'un qui vagabonde. Qui veut dire quoi? Dans mon sens de vagabonde, c'est qui est dans le boîte de nuit, les soirées, les comme ça. Donc, il n'a pas une vie stable. Parce que moi, l'homme que je veux dans ma vie, c'est quelqu'un qui est stable, qui peut m'aider à m'occuper de mes enfants. Oui, parce que moi, je suis stable. Oui, oui. Parce que j'ai laissé tout pour me stabiliser sur mes enfants. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu es vraiment brave. Merci, on est là. Merci, chérie. Que Dieu te fortifie. Merci, darling. Paul San, bonjour. Comment tu vas? Catherine Enyege, bonjour. Tu es brave. Merci, Catherine. Merci. Courage, maman. Dieu va guérir tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amine, amen. Kadio, toi. Non, Kadia, toi, Kanté. Amen, amen, chérie. Parce que Dieu est amour et fidèle. Voilà. Comme je disais encore aujourd'hui, merci Anis Coco. Anis Coco, bonjour chérie, bonjour maman. Comme je disais aujourd'hui, mes chéris, il y a beaucoup de personnes qui ont partagé la vidéo de mon enfant. Quand je dis témoignage, qui ont partagé dans les choses des églises, églises à gauche, à droite, églises, églises, églises. Ce n'est pas en allant trop à l'église que tu as de la foi. J'ai toujours dit, c'est ta foi qui est dans ton cœur qui te sauve. Et moi, c'est ma foi qui me sauve. C'est ma foi qui agit, qui fait des choses positives dans ma vie. Et ces personnes, beaucoup de personnes qui prient pour mes enfants aujourd'hui là, je vous jure mes frères et sœurs, il y a le monde entier des personnes dans la vie aujourd'hui qui prient pour mes enfants. Ah oui, qui prient pour mes enfants avec toute leur foi. Ça joue aussi sur ça. Tu veux un homme qui aime la vie de famille. On est là en Djamène. Ah oui, un homme qui va pouvoir s'asseoir à la maison, regarder mes enfants comme moi je regarde mes enfants pendant que je peux aussi au pays là-bas faire mes choses. Regarder d'autres enfants. Un homme que je peux avoir confiance à lui, que je le laisse mes enfants, je me vais faire ma campagne au pays, ou bien on part au pays ensemble, faire des choses. Et que quand je suis à la maison, il sait que le matin, il va se lever et m'aider à laver Luther. Parce que Luther a 15 ans. Je le lave toujours. Quand il se lave seul, après une semaine, je dois le laver pour être sûr qu'il est propre. Parce que même comme il se lave, c'est pas sûr que toute la saleté sort. Donc, en tant que sa maman, je mets tout le gant pour bien le fouetter encore, laver bien ses aisselles et être sûr que mon fils est propre. Voilà pour vous voyez tout mon fils brille chaque fois. Donc, quand il fait ses efforts, je l'encourage, je suis très contente. Mais je mets toujours la main sur lui pour le fouetter de temps en temps. C'est très important. Donc, un homme qui va laver mon enfant sans faire. Parce qu'il y a beaucoup ici. Hein? Ah ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup ici qui viennent vers vous. Comme je veux encore me répéter. Ils vont vous tchakala vos choses en bas. Ils vont vous tilapia vos choses en bas. Ils vont vous essouffler. Donc, ils vont même tordre vos bras en vous faisant ça au lit que vous allez dire, oh, mon folio, mon folio, oh, mon folio. Donc, tu vas, ils vont vous épuiser tout maillement. Mais le matin, aidez-moi là à prêter l'enfant à ton bonheur. C'est à lui là qu'il va dire que... Ouais, papa, mon père, mon chéri, pardon, lève-toi là, tu m'aides à prêter Luther. Un grand garçon comme ça ne se lave pas seul comment? Ta vie n'est pas facile, hein? Oh mon Dieu, je suis un peu trop fatigué. Pourtant, celui qui a passé la nuit à te fatiguer, celui qui a passé la nuit à t'étrangler parce qu'il veut te faire la chose, afin que ton cou soit un côté comme ça là, que tu es presque morte, pour qu'il jouisse, hein? Pour que la jouissance, petite jouissance, la sorte, il faut qu'il te casse à bac tchoulou. Il te casse les pieds pour le poulet. Pour qu'une petite jouissance sorte, il va falloir qu'il te malaxe d'abord trop au lit. Bonjour. Dès que tu finis avec toi comme ça, là, m'voule tout le Dieu. Comme un cadavre. Il tombe sur le lit comme un cadavre. Zinjoko, dormez jusqu'à. C'est à 6h30 que tu te lèves pour apprêter tes enfants, là. C'est à l'heure là que lui, maintenant, son sommeil commence à être sucré. Tu vas encore te lever. Pourtant, il t'a fatigué. Il t'a fini. Maman, tu te lèves encore. Tu commences encore à faire le one-to-one à ton enfant.
Tu dois encore prêter tous tes enfants. Chance, ma fille, même ça, c'est elle qui fait ces choses seule. Tu vas encore prêter tes enfants. Ils vont partir à l'école. Baba Luther, Baba Ibrahim, tu as fini. Il faut commencer à faire les ménages. Commencer. Si c'est un gars qui aime le couscous sauce gombo, si c'est un gars qui adore le couscous avec la sauce gombo, ce qui va d'abord falloir que tu fasses ça bouillir d'abord avec les beignets haricots. Ou même tu fais le spaghetti œuf. Il y a d'autres qui aiment souvent le il y a d'autres gars qui viennent dans ta vie comme ça. Ils aiment bien les œufs composés, œuf mix. Eux, ils aiment quand tu leur fais les. On les appelle quoi là? Omelette complet. Omelette. Si ils veulent l'omelette complet, avant, dans l'omelette, tu vas mettre tous la macédoine dedans. Mettre la sardine. Mettre même les olives. Mettre tout. Tout complet. Tu mets dans le plat, tu découpes le pain comme ça, tu scies le pain joliment là, avec la fleur à côté. Je dis bien les femmes en dernier, tu prends son jus d'orange qu'il aime beaucoup là, tu mets à côté. Ngo, top, c'est au lit que tu vas lui donner après avoir travaillé sur les enfants. Bébé, lève-toi bébé, il est l'heure de déjeuner. Bébé, dit, oh mon Dieu, oh je suis trop fatiguée chérie, oh là là, oh mon bébé, oh mon bébé, tu es tellement romantique, mon bébé, viens me faire la bise, Oh là, on choue, n'aime pas, il va sucer bien ta bouche. Avec des yams, la laine qui n'a même pas, qui vient de dormir, le mur, il a bavé, bon, il suis rien d'amener la main. Tu veux l'homme, non? Oh, c'est assez chaud, il va se lever. Allez, c'est maintenant, fais le choix, aux toilettes là-bas. Brosser ses dents avec son peignoir. On dit peignoir, non? Peignoir, mettre les peignoirs. Ce nous fonde. Ça soit encore au lit là-bas. Voulant même que tu coupes l'œuf à lui, maintenant tu mets dans la bouche. Hein, pour que tu sois encore plus romantique. Bambou. Oh, il a rencontré la femme de sa vie. Il rencontre la femme de sa vie. Mais il ne sait pas qu'il faut lui aussi soit l'homme de ta vie aussi. Hein. Autour de monde, comme un tu coupes l'œuf comme ça là. Hein, d'abord, ton chui. Oh bébé, une femme ne m'a jamais aimé quand tu m'aimes comme ça. Tu me montres trop d'amour. Je te montre trop d'amour, mon papa, tonton. Toi, tu m'as montré l'amour pas. Même dans le trop d'amour, ou dans le amour, mais, gars, on est toujours en train d'attendre. On voit tout ça où ça va nous amener. Et on comme bunga bon foyer. Oh bébé. Dès qu'il mange, fini là, tout et tout là, il se lève encore. Peut-être tu as mis que peut-être ta petite robe de nuit comme ça, ou bien tu as mis une petite culotte comme ça, comme tout ton dombolo. Parce que moi, j'ai les fesses comme pour le gimbreux, comme l'éléphant derrière. Donc c'est comme ça là. Et ça balance à tout moment. Dès qu'il va finir de manger comme ça là, dès que tu vas passer comme ça. Tu vas passer comme ça pour aller marcher. Tu vas dire que, oh bébé, ton derrière est attaque à toi. Hein? Ça attaque à toi, bébé. Viens un peu, bébé. Viens un peu. C'est ton gars, non? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ceci à nous. Parce qu'elles ne veulent pas perdre l'homme. Elles ne veulent pas vivre seules. Elles ne veulent pas finir leur vie seule. Elles veulent entretenir l'homme. C'est ton gars. Tu reviens encore comme cela. Pourtant, tu as fait ça dans la nuit avant de dormir. Tu viens encore. Il commence encore à te baratiner. Tant, lui qui était fatigué le matin à 6h30. Le petit déjeuner que tu as donné encore. Le jus d'orange que tu as donné, l'énergie encore revenue. Aben soupe que tu nous. Aben tantan que ou. Aben malaxe ton tu nous. Oh, si maman ton ta boîte, je m'en coupe. Il va encore te bengaliser encore le genre que l'oreille lève. Jusqu'à ce qu'il va oublier même que ta dernière 20 peut se couper, que tu n'as plus toi 20 ans. Parce que là, c'était âge, même la femme se fatigue même. Il y a des positions que, parce que les hommes croient souvent que les femmes là, nous les femmes, on a encore 20 ans, 29 ans. Il va te faire parce que, il va prendre un pied à toi comme ça là, écarté comme ça, ça va toucher ta tête. Ou bien que tu as trop la graisse ici là, hein. Tu vas seulement entendre clic, il t'a mis les bois sans savoir. Parce que tu vas lui faire plaisir. Tu dis, oh bébé, oh, ça fait mal. C'est pas si ça fait mal que c'est en bas qui fait mal, hein. C'est le cri qui t'a fait là qui te fait, qu'est-ce que ça fait mal? Bébé, ça fait mal! Oh, bébé, fais doucement, pardon. Pourtant, tu as mal vraiment, vrai. Dès qu'il va finir encore de prendre son pied encore, quand il va maintenant te laisser, si tu marchais comme ça là, comme ça, avant de venir de la nourriture, où tu rentres dans Dieu? Voilà maintenant comment tu vas marcher maintenant, coucou. Tu marches maintenant, coucou. N'oublie pas que tu as la sauce gombo avec le couscous à faire. N'oublie pas que les enfants vont rentrer à 15h45, 16h. N'oublie pas que quand les enfants vont rentrer, c'est encore notre travail qui va commencer là. Mes chers frères et sœurs, la vie, ce n'est pas la course. Il faut aller mollo pour arriver. La reine galloise ne coupe pas. Je n'ai pas le raton qu'on va casser.
Je n'ai pas le corps à donner à l'homme, livré à l'homme parce que j'ai envie d'être avec l'homme. J'ai mes objectifs. L'éducation de mes enfants. Et élever les enfants de l'Afrique avec l'handicap. C'est de ça qu'il s'agit. La reine Gada ne court pas derrière les hommes. Je respecte mes frères et sœurs. Je respecte ces hommes-là. Et je donne de l'amour à mes enfants. Sois avec celui qui t'aime. Ne sois pas avec quelqu'un parce que tu veux orner ta maison. Parce que tu veux dire que tu as quelqu'un dans ta vie. Jamais de la vie. Donc je ne coupe pas mes chéris. Toi, ma soeur qui me regarde, s'il te plaît, concentre-toi sur ton enfant à la maison. L'éducation de cet enfant-là, ce n'est pas trop l'église. Ce n'est pas trop de prière. C'est le temps que tu mets, la patience et l'amour que tu donnes à ces enfants qui font de l'éducation des enfants. Ce n'est pas aller chez les charlatans, les amener dans toutes les églises du monde entier. Ce n'est pas ça. Ou bien chercher l'homme de la vie. Non. C'est s'asseoir et se concentrer. C'est très important sur ces enfants-là, mes chéris. Je connais de quoi je parle. Moi-même, j'ai vécu ça ici. Et beaucoup de mes soeurs vivent ça chaque jour. Changeons notre mentalité déjà. Et éduquons nos enfants-là qui ont besoin de nous. C'est de ça qu'il s'agit. La reine galloise ne court pas. Car Dieu m'a donné une mission sur terre. Je suis une femme choisie. Donc, I'm not running. Because I know that today or tomorrow, one day, if my own will come, my own will come. Ce qui est pour toi sera pour toi. Ce qui n'est pas pour toi ne sera jamais pour toi. Never run in the life. Go slowly. Parce que Dieu a réservé beaucoup de surprises à n'importe qui. Sur ce, bonne journée dans la paix, mes chéris. Que Dieu vous bénisse. C'était la reine galloise.